Thank you.
Et bonjour à tous et bienvenue, la hype est là, les récompenses sont là et ça va être une journée de dingo. Alors, on a un plateau en plus un peu exceptionnel aujourd'hui, je vais commencer par ce côté parce qu'on a un invité de prestige en plus d'hier, Adri, il est là. Allez, je suis là. Joueur pro, SW, enfin, t'as fait ta ligue? J'ai fait ma ligue, hein. J'ai su arriver jusqu'à la boule des préliminaires. En vrai, t'as fait un beau parcours, en vrai. Pour le coup, c'est vraiment bien. C'était pas mal, mais... bien sûr, merci. Gigi, encore une fois, ravi de t'avoir avec nous. J'aimerais dire la même chose. C'est le mec. Pourquoi tu peux pas le dire? J'aimerais le dire, j'aimerais beaucoup, mais j'ai un petit âme duat coincé dans la gorge, mais bon, après, c'est un autre débat, on verra plus tard. D'ailleurs, on va insister là-dessus, je pense, on aura quelques questions à poser en Adri, parce que le chat aussi doit avoir bien beaucoup sûr. De questions. Ça demande à quelle heure il jouait aujourd'hui. Très sympa le chat. Petit malaise. Petit malaise. En tout cas, merci de venir, hein, parce qu'en vrai, ça rajoute un truc d'avoir un joueur, parce que très souvent, on dit, ouais, on est caster, on comprend pas. Animateur. Tout. Et peut-être qu'aujourd'hui, du coup, ton expérience de joueur, tu pourras nous aider entre les games à dire en fait ton avis en tant que joueur. Des petits infos. Je pense en plus. Que VK comprend mieux le jeu que moi. Animateur ici. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est la dernière journée de la ligue. C'est les playoffs Day 2, jour 2 en anglais. Bon, tradition, il va falloir faire le format du tournoi en petite vidéo pour les gens qui ne connaissent pas. Je connais très bien ça, les gars. Alors, ça a commencé en février 2024, hein, encore une fois. Et c'était une compétition qui affrontait 12 joueurs qualifiés sur un total de 7 journées. Pendant ces journées, c'était une phase suisse et tout le monde se jouait. Ça a farmé des sets sur des BO2. Et au final, c'était les joueurs qui avaient gagné le plus de sets, qui avaient le plus de points, qui se sont qualifiés ensuite pour les playoffs. Donc pendant les phases de qualif, il n'y avait pas forcément besoin de gagner. Tant que tu gagnais des sets, c'était cool. Et le top 8 est arrivé pour les playoffs. Malheureusement, Adri, tu n'étais pas loin. On reviendra après. Mais tu n'étais pas qualifié. Et j'insiste bien là-dessus, tu n'étais pas qualifié. T'étais à ça, mais dommage. Oh là là. Ça aurait pu être toi, mais c'est pas toi. Les signings ont un peu ensuite influé sur à quel moment les joueurs arrivaient dans les playoffs. On est au jour d'aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, le cash prize va être divisé. Les 10 000 sont donc pour moi aujourd'hui. Pour toi? Tout est pour moi aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, tu te régales. Non, mais ça va se régaler. Non, mais l'avantage, c'est que Guts, à minima, il repart avec un peu de 1 000 balles. Oui, c'est vrai. C'est... Attends, on lui souhaite le max. 5 000 si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Je suis très fort. Donc très fort, t'as retenu depuis hier. J'ai tout retenu, 5 000, 2500 et tout. Et 1 000, il y a un truc au milieu. Il y a un 1005 qui doit se glisser là-dedans, mais beau cash prize, ouais. Et alors Adri, qu'est-ce que t'as pensé de cette ligue? C'était quoi ton ressenti de la compétition? Parce que c'était ta première apparition sur un circuit compétitif. Ouais, en vrai, moi, je me suis beaucoup amusé. Hein. Enfin, un peu trop peut-être même. Hein. Peut-être. Mais en soi... moi, j'étais là, je me connectais les mercredis, je faisais mes petits combats et je m'amusais. C'était vraiment que du kiff. Après, après la première semaine où j'ai perdu 6 fois, je me suis dit peut-être faudrait que j'essaie de gagner. Genre, essayer de gagner une game, ça peut être pas mal. Hein. C'était mon objectif. On en revient à ce rue du ténèbre. Ouais. Moi, j'y voyais un potentiel et j'ai peut-être été trop ambitieux. Peut-être. L'ambition était trop grande, j'ai vu trop de choses en lui. Qui n'a pas su me rendre. Et... Mais d'ailleurs, je crois que tu as été le seul à voir. Non, il y a d'autres personnes qui ont perdu avec. Hein. Ah, c'est ce que je dis, c'est que vous avez. Justement, ouais, le point commun, c'est la défaite quand même, au bout d'un moment. Parce qu'après, on a un challenger hein, depuis hier, Gapsou, je sais pas si tu connais. Ouais. Pas été forcé le perso aussi. Il est un peu plus fort quand même, il a plus de chances de gagner que. Oui, un peu plus, ouais, on est d'accord. Et là, aujourd'hui, tu pourras aussi nous éclairer sur certains aspects. Parce que nous, des fois, on a des moments où on comprend pas les mobs. C'est vrai. Donc peut-être qu'aujourd'hui. Tu pourras nous aider. Alors, le bracket, qu'est-ce qui s'est passé le dernier jour? On peut voir ce qui s'est passé. En tout cas, au moins pour le Day 1. Oui. On a Guts, du coup. On a un dernier représentant de la commu francophone qui est là, qui a battu Tito Gofflet dans un premier round, puis Raxaz. C'était une bonne perf. La tarte. C'était une bonne perf. Et au-dessus, ben, Glorious, malheureusement, a perdu contre Pafix. Ça aurait été beau d'avoir les deux en dernier round. Ouais, ça aurait été fou. Juste là, il va falloir battre Babo et Pink. Ouais. Ouais, ça va être... Obabo Pink peut-être c'est un autre morceau. C'est un autre morceau. Jouable. Vous pouvez voir Obabo Pink qui sont directement qualifiés en fait au round 3 parce qu'ils étaient seed 1 et 2. Et en fait là ce qui va se passer c'est qu'on va avoir commencé par Obabo Pink Roid. Le gagnant des deux va directement en finale. Le perdant des deux du coup va devoir battre le gagnant de Guts Pafix. Et il y a un scénario où on a en fait enfin Obabo Pink encore une fois, mais ce sera Guts. Voilà. Évidemment. Guts qui repartira avec le chèque, évidemment, on le sait. Et là, la différence aussi avec hier,
c'est du BO7. Donc, ça c'est reste vrai. Un peu plus. On étire un peu plus les matchs, donc moins de place au hasard. Voilà. Est-ce que il va falloir proquer un max, comme disent les jeunes. Ouais. C'est vrai que Guts, hier, il avait une très, très belle étoile. Est-ce que cette étoile s'est crachée sur une autre planète ou pas? On va voir. Moi, je suis très, très confiant pour notre ami Guts. Big cerveau, comme on dit. Et hier, il nous l'a montré encore une fois. Il a été monstrueux, quoi. Tu pourras nous faire vivre ça au casting encore une fois, parce qu'hier, on a passé un très bon match au casting. Le chat aussi a dit que c'était une putain de dinguerie. Je cite. Personne l'a écrit comme ça, mais. C'était pas les mots, il mais c'était génial. C'était génial de caster. Enfin, avec deux légendes, attends, c'est une folie. Donc, non. J'espère hurler pour. Je vais crier ton nom, Guts. Et pour les bonnes raisons, j'espère. Je l'espère. Alors, on va commencer la compétition. Pour commencer, c'est bien qu'il n'y a pas l'enjeu direct avec Guts. On va commencer par Obabo Pink Ruid. Alors, on ne les a pas vus hier, donc c'est bien sympa de remettre les petits assets de vidéo. On va commencer par Obabo, si vous ne le connaissez pas. C'est un peu le BG de la Suède. Oui. Voilà. Les cheveux, la chevelure. La mèche. J'avoue, il fait trop bondasse, c'est quoi, c'est comme lui, là. Il est mignon, hein. Hop. Ah, les gens en majuscule et tout. Bah, il n'y a pas de chiffre, juste marqué les gens. Ah, ça me taise, hein. Ouais, c'est pas les... C'est pas les mêmes mobs, c'est pas la même prétention. Après, on n'est pas en finale par hasard, j'ai envie de dire. Non. On n'est pas sur le toit de l'Europe par hasard, encore une fois. Donc voilà, Obabo ce soir. Après, bon, Pink Ruid, c'est quand même quelqu'un. Donc, je pense que ça va donner encore une fois. Il y aura quand même peut-être cette double chance s'ils arrivent à se faufiler en grande finale. Mais Obabo, très chaud. Hein. Ah bah c'est clairement les deux favoris là, hein, qui se retrouvent en face à face et potentiellement encore une fois en finale. Mais comme tu l'as si bien dit, on espère quand même que ce soit Guts qui va affronter l'un des deux. On verra bien. Alors Guts, si vous connaissez pas, en petite vidéo, c'est peut-être pas écrit sur les assets, mais c'est triple champion d'Europe, back to back to back. Donc c'est voilà quoi. Ah. Vraiment, ça en jette beaucoup là. Ouais. Triple champion d'Europe. Est-ce qu'il a le légende lui? Je crois pas. Hein. C'est rank 1. Non, ouais. Oh là là, c'est pas ouf en vrai. Quand tu regardes, qu'est-ce que c'est être numéro 1 alors que tu peux être légende? Du coup, c'est quoi la différence? C'est juste, t'as fini premier dans le classement à la fin de saison, mais après, ce qui définit le légende, c'est le tournoi des légendes où les top 4 se battre dans un tournoi et quand tu gagnes le tournoi t'es légende. Et Pink Ruid l'a jamais gagné, il a perdu en demi ou en finale, je sais plus. Ouais. bof du coup, ouais. Très moyen. Après bon, on sait que au-delà de la vanne, le man chaque année il vient en SWC, donc c'est quelqu'un, quoi. Ouais, très régulier. On me dit dans l'oreillette que les joueurs sont prêts, donc nous on va se préparer, on va aller au casting et ça part, hein. Allez, c'est parti les gars, allez vous mettre en place. Évidemment, premier match de ces Playoff Day 2 aujourd'hui, Pink Ruid face à Obabo. Dites-nous un peu dans le chat aussi, hein, si vous avez des pronos. Adri, petit prono pour toi. Pour moi, je vais aller pour Pink Ruid parce que c'est un guildmate. Moi, je vais avec les amis, copains. Eh ben moi, je te dis 4-2 pour Pink Ruid. Voilà, je prends des risques, ils ont l'air d'être prêts aux 4, ils se mettent en place, dites-nous dans le chat aussi. Je vous rends la parole les amis. Ben on est prêts, t'es prêt? Il avait pas le casque bien mis. Il y avait le micro qui était au-dessus de la tête, mais il était prêt. Et je me suis niqué le genou. Ça y a pas de soucis. Non, y a pas de soucis. Bon, on est prêt, on en a envie. Tu dirais quoi en prono, toi, mon ami? Moi, je dirais quand même peut-être Pink Ruid en termes de. Voilà, de, vraiment, c'est le vétéran, il a triple champion d'Europe, tout ça. Donc, très, très, très régu à son niveau. Mais bon, on a quand même du légende contre rang 2, donc pas ouf. On a le first pick des côtés d'Obabo, première game, c'est quand même assez intéressant de le noter. Qu'est-ce que t'irais pré-ban, toi? Pré-ban, bah, en général, t'as envie d'enlever dans des clés, mais sauf si t'as. Il y a le first pick. Donc il peut sécuriser un Moore et ban un Oliver, par exemple, s'il veut pas prendre un lit 33, mais qui veut son Moore? Ouais, peut-être un pré-ban Moore, en effet, ou alors prendre ce Moore, comme tu l'aurais dit, ok. En fait, ils réfléchissent beaucoup, là. Je pense que ça va vraiment dépendre du gameplay qu'ils ont prévu. Après, normalement, ils sont censés avoir un petit peu bossé. Ouais, parce que le first pick a été décidé dans le match de seeding de la semaine dernière. Ouais. Donc, ils savaient qu'Obabo allait avoir le first pick aujourd'hui. Exactement. Oh, et on a Julian. Et ben, Julian et Gang. C'est assez marrant parce que Julian, en soi, il le joue pas tant que ça, j'ai l'impression, le Pink Ruid. Pas tant, mais je pense qu'il part peut-être en Draft Bruiser. Ouais, ok. Il veut pas avoir un Julian en Draft Bruiser, ok. Après, Draft Bruiser contre Pink Ruid, c'est pas évident non plus. En vrai, ça l'arrange, pré-ban et gang, peut jouer cette nain. Bah, je pense que c'est pour ça qu'il a first pick aussi. Il a vu le pré-ban et gang, donc il se dit, vas-y, autant y aller. Et il sait en plus que Pink Ruid la joue beaucoup cette nain. Ouais. Alors, dans les phases de la saison de la Ligue, on l'a vu jouer du Tomoe, on l'a vu jouer aussi du simple Ryu Control. C'est vrai. Il peut changer de draft selon. Mais quand t'as un pré-mana et gang, c'est-à-dire que la draft Tomoe et Layla va pas trop fonctionner en fait en général. Ouh, Vela Juel. Oula. Okay. Ça a pas mal hésité. Ouais. La dernière seconde, on a changé cette sekhmet. Je pense que c'est une bonne chose. Que double feu d'entrée, c'est un peu compliqué, même si on est contre une Etna, hein, évidemment. Je trouve ça pas ouf aussi, ouais.
aurait été une draft vraiment pas très GG. Mais là, par contre, il est un peu genre direct tour 2 avec ça, alors qu'il y a une Etna en face. Si là, Obabo part dans l'agression, imaginons Anne Robodark, il n'y a pas de high gang, il est pas trop mal, non? Non, ouais, ouais, c'est compliqué. Parce que, en plus, quand, comme tu l'as dit, Pinkroid, il éparpille entre guillemets pas mal ses sets, dans le sens où il a quand même du Velazuel, Chandra Sagar de Runé, il a la Laila Tomoe et compagnie de Runé, il a le Mour Chongpong et compagnie de Runé, donc. Voilà, après on parle d'éparpillement, mais ça reste quand même des très très grosses runes. Hein. Alors là, on a du coup du Chandra Zima. Et, Ok, ok. On vous laisse, on vous laisse. Chandra Zima, je suis pas hyper ultra convaincu, mais on l'a vu, faut gagner quelques matchs dans, avec Zima quand même. Et il aime bien son Zima. Hein, ouais. Il aime beaucoup son Zima, et je suis pas sûr que ça avait tant fonctionné. Ouh, alors là, tu vois, Obabo, il a vu l'opportunité. L'angle agression, parce qu'en effet, ce que fait Pink là n'a pas l'air très agressif, tu vois, c'est pas trop se mouiller, pas spécialement fort en outspeed. Après, on a qu'un lead speed, mais peut-être qu'il se dit qu'avec Sonya, vu qu'elle glancing tout ça sur vent, peut-être qu'elle va pouvoir cut et peut-être one shot un truc. Mais bon, sans lead speed, je sais pas si t'as de quoi one shot un Sagar, tu vois, par exemple. Et tu vois, là, il banne le lead speed, et c'est un Moor Swift, hein, on le sait, hein, du côté de Pink Rui, donc je pense que ce Moor devrait outspeed. On va voir s'il va se faire cut. Ah, je pense qu'il a été un outspeed, mais avec même en Swift. Hein. Tu penses? Ah, je pense qu'il a plus de 229 sur Etna, fait que tu, voilà, tu le stun. Hein. Tu stun le Ryu, et après t'as gagné. Wow. Pour moi, en fait, quand tu sais qu'Etna a une speed de base aussi haute, tu peux outspeed un Ryu sans lead. Ah, parce que le Ryu de Pink, il est vraiment rapide. Hein. Ouais, mais c'est une Etna sans 10 speed base avec plus de 228. Ouais. C'est vrai que c'est Obabo, ce petit détail, je l'avais un petit peu oublié. Oh, et apparemment, Pinkroid aussi, on a un bon proc ici, mais là, c'est déjà un peu très très mal barré. Hein. Il a déjà perdu un monstre et son Moor est vraiment mal en point. Et en plus, il y a le sustain de Zima. Et là, s'il proc pas le Vela, il y a une bombe qui arrive, tu vois. Ouais. Buff attaque d'ailleurs. Ouais. Je pense. On va y aller un petit peu soigner, on va aller finir ce Moor et je pense que la game est déjà pliée. Hein. Ah, je pense qu'elle est contre pliée. Hein. Mais en fait, il a surestimé son set sur Ryu, mais moi je l'aurais jamais risqué. Genre, juste parce que bah, la speed de base d'Etna fait que. Alors, en fait, on l'a vu en stream, j'avais vu moi la Etna à plus de 129 de mémoire, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, je pense. Donc, on sait jamais qui est encore. Petit upgrade qui tombe, tu sais, il est un peu connu pour ça, Obabo. Ça se trouve, il a. En fait, ça se trouve, Pinkroid avait calculé qu'il était censé outspeed cette Etna sur 24. Et en fait, il y a eu. Ouais, en effet, une petite upgrade, hein, qui sait. Il a. Ouh, il a souillé dessus. Ah oui. J'ai fait un mélange de souiller, rouler dessus, il a vraiment. Et chier dessus aussi, hein, d'ailleurs. C'était un no match là-dessus, c'était très agressif. En fait, c'est les gameplays qu'on connaît, hein, de Obabo et Pink. Ils voient l'agression possible, ils le font. Allez, les deux, ils aiment trop jouer tour 1 et donc Obabo, il est vraiment rapide et Pinkroid, il est pas non plus connu pour ses suites, même si ce Moor normalement est censé être vraiment rapide. Alors, mais ça lui a pas trop servi ici. Après, c'est un BO7, donc en soi, il y a moins d'impact. Bien sûr. Tu vois, il y a moins d'impact, tu dis bon, c'est ok, je me suis fait rouler dessus, mais tu sais quoi. Et en soi, il a l'information maintenant. Ouais. Il sait maintenant que cette Etna outspeed son Moor bah, sans lead speed, donc c'est quand même pas une moindre affaire, ok. Alors, qu'est-ce qu'on pré-ban ici? Peut-être Etna? Ouais, okay. Etna, ouais. Ouais, Etna. Tu sais que c'est le speed contest. Et là, au moins, vu qu'il a le first pick, il peut prendre son Moor qui. Il avait l'air d'être très rapide, en effet, comme tu l'as dit. Peut être un speed contest, donc. Et il a le speed d'Adriana, du coup. Ouais, c'est vrai. Après, Adriana, 111. Etna, 119. Et peut-être pas le même set, évidemment. Ok, on a le Higang first pick. Donc, est-ce que Obabo partirait sur ce Moor? Il est pas vraiment connu pour avoir un gameplay Moor. Hein. Bah. Oliver, non, ouais. C'était Oliver. Oliver. Tekmet. Oh, Adriana. Oh, il a vraiment envie d'agresser là. Il veut en découdre, hein, clairement. Là, on part sur du buff attack, buff speed. Et en plus, on a lead 33 à côté. Donc, c'est Adriana qui devrait pouvoir speed lead 24. Et donc, c'est pour ça que Pink va partir sur la lead 33. Après, tu sais, les Vanessa plus Stripper Away et tout. En général, ça fait pas spécialement bon ménage. Après, ça fait pas bon ménage juste, mais là, vu qu'il y a le Kitten Dashing, elle tout seul, il contrôle toute la team. C'est vrai. Donc c'est à peu près ok, tu vois. C'est vrai que c'est plutôt une bonne chose ici. Ok, là, on part sur peut-être un deuxième lead ou un petit contest quand même. Bah, là, t'as pas trop envie de prendre Sonya parce qu'il y a déjà Vanessa. Peut-être qu'il va prendre. Ah, qu'est-ce qui rentrerait bien avec Adriana? Peut-être un robot ou un truc comme ça. Tu te dis qu'au moins ça conteste. Voilà. Daphnis! Il a vraiment pas le temps. En vrai, c'est bien parce que c'est quelque chose qui peut snapper Vanessa. Ouais, exactement. Après, les Vanessa, on les connaît, c'est souvent à 100% de résistance, tout ça, donc il faut vraiment que ce Daphnis ait une très très bonne précie. Après, j'espère que Obabo l'a pris en compte en effet. Alors, on a du Chongpong Moor, ok, on prend un deuxième lead speed, on prend du contest, parce que son Moor, on sait qu'il est en Swift. Okay, il préfère quand même le Chiyu.
Ouais, ça a plus d'impact surtout. En fait, c'est un robot vent. Donc, t'as envie de réduire ATB alors que le Ryu, peut-être, il va pas réussir, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Et enfin, les speed. Donc là, si c'est pas une Ciara, qu'est-ce qui pourrait être en vrai Ryu. Ouais, ou alors un force ban, tu vois, un truc qui est censé pouvoir solo, imagine sur un ban qui tient de la Shang, tu vois. Genre, tu penses à Douglas en fait ou. Ouais, ou même un singe-feu, tu vois, par exemple. Ah ouais, j'avoue, singe-feu complètement. Singe-feu ici, si tu bannes qui tient de la Shang, il est censé limite pouvoir potentiellement ouais, solo, en fait, évidemment. Solo tous les jours, ouais. Ah, il a pensé à Douglas. Douglas. Oui. Douglas, ça va très très bien, évidemment aussi. Mais juste, ça change ton ban. C'est plutôt le. Shiu que tu bannes quand tu prends. Ryu ou c'est encore qui tient de la Shang. Je pense que c'est quand même qui tienne. Ouais, ou alors tu te dis que tu te fais dans tous les cas ban Douglas, ouais. Tu vas vraiment à l'aveugle et tu bannes genre Vanessa hein, ouais. 33 du coup. Vanessa ou Shiu. Ouais, en fait j'arrive pas à savoir si c'est... Ou Shiu parce que c'est le contest le plus rapide ici probablement. Après, mais en fait ça va vraiment dépendre du ban adverse, hein, donc ouh. C'est un peu 50-50, ok. Kitten Dash, donc là en fait là ça va être une game lead attack... Ouais, Douglas. Douglas, il faut que Douglas fasse son taf. Et potentiellement buff attack et tout, donc ça peut envoyer vraiment, vraiment du lourd. Après, on sait que le sort 2 de Shiu, ça ne glance pas. Ouais, Shiu glance pas, ça va aussi. Une Vanessa, ça peut quand même faire des dégâts. En fait, c'est du 50-50, tu vois, ouais. Douglas. Donc à tout moment, la Vanessa met le break def et le Shiu l'allume sur ce break def. Est-ce qu'il le tente maintenant? Je pense pas qu'il va le tenter maintenant. En soi, ça revient tous les deux tours, donc ouais. T'auras une autre occasion de le faire. C'est juste que qu'est-ce qui peut stun le Douglas là? Certainement les Desper des deux. Est-ce que ouais. Le Xiongpong est en Desper? Il a pas proc duo, il a pas proc de Desper. C'est dur de savoir en quoi le Xiongpong. Après, je pense que le Xiongpong dans tous les cas il va glance, donc ah, même s'il disperse, il va le cleanse et tout. Donc il faudra vraiment compter sur l'attaque du Egang. Je sais pas trop s'il a un Egang offensif ou c'est plutôt du anti-Sonia, etc. Oh là là, c'est tendu parce que là tu sais que c'est possible que le Douglas solo. Ouais, là on a le Daphnis qui cut parce qu'il s'est fait réveiller mais il a pas ses sorts, donc peut-être mettre un glancing sur le Fiwu, ouais. Parfait ça. Là il tente de le tuer hein. Il a l'air squishy hein. Après il aura le buff attack s'il le tue. Ouais, je pense qu'il faut mêler sur la Vanessa. Ouais, c'est plutôt Vanessa ici. Break attack Vanessa. Oh non, il va pour le kill. Ah ouais. Bah il se dit qu'au moins c'est fait. Oh mais c'est dangereux non, t'as un buff attack sur un Shiu DPS. Ouais, mais en fait je pense que dans tous les cas il se dit bah il va pas glance sur le skill 2, donc autant qu'il ait le buff attack, tant pis. Oh, il a un buff attaque qui dispo, mais. Ouais, tu le fais, hein, ouais, tu le fais. Ah, par contre, il a un anti-buff. Ah, ouais, ça sert un peu à rien, là. Ok. On a premier glancing pour Obabo ici. Là, on a pas de glance, c'est Shiu qui a l'air d'avoir beaucoup d'attaque. Hein. Le Aegang n'a pas de glance une seule fois aussi. Donc. Faut soigner un peu là. Ouais, faut soigner un peu. Le problème, c'est qu'au plus tu tardes, au plus le passif de Vanessa va revenir. Là, le prochain tour, il va être disponible. Mais là, si le Douglas ne glance pas, il devrait pouvoir tuer ce Shiu. Hein. Alors là c'est vraiment... Oui. Et il crit 10k. Ah oh, c'est tendu. En vrai, le Aegang il est monstrueux. Hein. Il peut tenter un sort, un stun. Hein. Pour l'instant il a pas l'air de vouloir trop tenter. On préfère peut-être tuer cette Adriana dans le premier temps. Prochain tour on a le passif de Vanessa qui revient. Alors est-ce que tu tentes des skills 1 sur Douglas? Oui. Mais ça ne passe pas. On glance encore un petit peu. Oh là 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 là, il va le refaire, je pense que Douglas va 1v4 mec. Ah, il faut tenter le skill 2 je pense. Est-ce que tu restes le Shiu ici? Je pense pour tempo. Ouais, tu tempo. Et t'es fait un cambio et voilà quoi. Ah, le problème c'est qu'elle va prendre cher là. Ah non, il va retuer. Il va tuer ça. Il a le fatac forcément. Ok. Il va se faire Douglas en phase finale de ligue. Après c'était un force ban, si t'avais dit il faut genre un Mini Wong ou un Douglas qui est un force ban, tu le bannes pas. Ok, on a le break def, à tout moment si le gang met des gros crits ici, voilà, il a pas glance ici, bon par contre il a pas crit non plus. Oh attends, j'avoue, est-ce que crit? Oh, on a un attends, crit. Est-ce qu'il va le faire? Oh, il a pas il fait. Il l'a fait. Oh, le Douglas qui se fait pas. Oh là 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 là. Bon bah 1-1. J'avoue que je me disais ça y est, il a tué le Shiu qui est bluff attack. Il devrait gérer la Vanessa, ouais. Mais la Vanessa a posé le break def sans glance. Ouais. Là, c'est pas mal. C'était un 50-50. Hein. Là, c'est du 50-50. Ouais. On l'avait dit, et là, il avait pas trop passé grand chose avant ça. Donc, il a fini par tout passer. Et donc, c'est la mort. Le 50-50. Ça aurait pu vraiment être un 2-0 pour Babo, là. Hein. Oui, vraiment. Et là, ça aurait mis trop bien pour le match. Hein. Même si on sait que c'est un BO7. Hein, donc, c'est pas non plus proche d'être gagné. Alors, est-ce qu'on repart sur des pré-ban comme juste avant? Donc. Peut-être sur du Egang. C'est quoi le premier round déjà les deux? C'était Julian. Egang Julian. Adriana. C'est Adriana cette fois-ci.
Ok, il a pas trop envie qu'Obabo parte trop offensif pour l'instant. Alors, il va prendre son Ryu, Oliver. Etna, peut-être, tout de même. Avec qu'il y a Aigang, je sais pas s'il va le prendre. Voilà, il prend Aigang du coup. Il prend Aigang, ok. Surtout qu'il a pas la Adriana aussi pour ouais. Peut-être aller avec cette Etna, même si la Etna est forcément plus rapide que Adriana. Alors, on part sur Tianlang. Ouais, parce qu'il y a un Aigang, forcément. Est-ce qu'on prend ce Shiyu tout de suite? Donc, on prend plutôt le mort. Donc là, on a envie de prendre un. En fait, un bruiseur vent, je me dis, mais. Ouais. Pourquoi pas Etna, il a Aigang de son côté. Ouais, mais le problème d'Etna, c'est que tu pourras pas trop skill 2 ouais, avec un Tianlang, surtout que là, t'as le Moor aussi qui va cut si tu fais ça. Mais je me dis, en fait, vu que le Moor, on l'a vu qu'il était très fast, t'as envie de prendre un speed contest qui. Ah, il pourrait, hein. Il pourrait, ouais. Ça lui fait un monstre vent et derrière, peut-être une Vanessa ou un truc comme ça. Ouais, je pensais Vanessa. Ouh, Shizuka. Oh, il prend double O. Par contre, là, il va se prendre un Xiangfeng, non? Ouais. Enfin, en gros, là, on pense à du Red Dead CD pour gérer Shizuka en général. Ouais, même un robot, c'est pour juste pouvoir tester ça. Après, on sait que c'est. En fait, le problème, c'est que cette Etna, on sait qu'elle outspeed sans les speeds. Mmh. Et je pense que c'est pour ça aussi que Babo ne se force pas à mettre des lead speeds. Par contre, c'est que mettre, c'est vraiment bien. Il va mettre un Jamir, mon Babo, non? Là, quand je vois ça à droite, je me dis Jamir lead speed qui. Cleanse, refresh CD pour après la Sekhmet, ça me paraît bien. Ouais, le Jamir est pas horrible. Après, est-ce qu'il a de quoi un petit peu tanker avec ce Jamir? Jamir et un sustain pas trop dégueu. Bah, Smicer, c'est vraiment bien ici. Moi, j'aime beaucoup ce vent draft. J'aime beaucoup aussi la Smicer. Ah, t'as la sustain, t'as justement les sorts qui reviennent très 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 vite. Et même si t'es un DCD, c'est ok. Ouais, exactement. T'as quand même ce silence, cette réduc ATB avec le soin. Oh, Meiwang. Et un petit Meiwang. Après Meiwang, ici, on a quand même pas mal de petits break def, on a de l'anti-heal, on a des bons dégâts avec les artefacts, tout ça. Ouais, break attack donc, aussi. Donc un peu moins fan de ce singe ici, je peux pas te mentir. T'avoues, ouais, en vrai, c'est de la merde. non, on a vu des Meiwang carry ultra hier. Meiwang hier, il a vraiment fait des très 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 bonnes games. Mm. Après, il était en quintuple violent, en effet. Alors, est-ce qu'on part sur un deuxième lead speed? Est-ce qu'on se dit qu'on part sur une sorte de force ban? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver en force ban? Peut-être une Juno? Peut-être une Juno, en effet, le Smicer. Oh, Velajuel. Velajuel, ok. Velajuel, j'aime bien aussi. Juno, on a vu Tito essayer de la jouer contre Guts, et ça n'a pas trop marché avec Smicer, parce qu'il y a beaucoup de soins, etc. Donc peut-être pas trop l'angle Juno, en effet, comme Picruid l'a vu. Tout Velajuel. Je pense que là, il va ban le Velajuel dans tous les cas, parce qu'il veut jouer du debuff avec cette Shizuka, ce Smicer. Ouais. En fait, ça va vraiment dépendre de leur plan. C'est pour ça que c'est très compliqué d'anticiper un ban ici parce qu'ils essayent un petit peu de rentrer dans la tête de leur adversaire. D'où le non-ban du Douglas la game d'avant, même si ça lui a pas trop porté préjudice. Il ban Sekhmet. Après, c'est vrai que quand tu joues Shizuka, t'aimes pas trop les RDCD, sinon en fait c'est un plot pendant trop longtemps. Ouais, vraiment. Et là, il y a deux RDCD. Il y a aussi le Xingpong qui peut la neutraliser là. Exactement. Et on voit que ce Xingpong il est en swift également. Il est vraiment très 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 rapide. Donc là, on va avoir le skill 3. Du Xingpong et ensuite on va reboost la TV toute la team avec le Velajuel, on va être vraiment vraiment bien là je pense. En vrai je pense pas qu'il est en Swift. Si. Ah ouais je pense qu'il est juste en view à plus de 250. Non, t'as vu la TB qu'il a. Ouais j'avoue qu'en vrai c'est monstrueux. Ah c'est marrant parce que c'est pas un build très courant chez Xingpong. Bah en compétitif c'est un petit peu fait mais ouais c'est des Pinkroid, Truel, peut-être Legend aussi qui font ça. Et encore Truel par contre c'est plutôt du plus 200 violent pour le coup. Ouais c'est ce qui pensait à ça, moi je pensais à du 200 violent. Non mais je pense pas qu'il puisse faire ça. Bon alors là ça va commencer. Est-ce qu'il fait des dingues? Il s'est fait reste la bombe, c'est pas une dingue ça. Ouais, surtout que le problème là c'est qu'on n'a pas de Shizuka qui peut mettre des bombes également, même si dans tous les cas il y a de l'immunité. Hein. On a quand même une perte d'immunité du côté de Vela, donc on va pouvoir le stun ici. Ça ça arrange plutôt au Babo. Il a pas pris le stun. C'est un peu dommage. Oh. Il a l'air tanky, parce que les dégâts qu'il a pris sur un break def. Après break attack. Ouais, c'est vrai qu'il a break attack. J'avais pas vu, tant pour moi. C'est là où tu veux du disper, non? Ouais, bah là tu tentes. Hein. On a un très bon disper sur ce move, hein, ce qu'il fait. Il fait très très mal. Il aurait pu déjà mettre très très. Enfin, très mal ce Aigang. Est-ce que tu fais pas ça pour refresh le sort de du singe pour faire un nuke direct? Non, il va plutôt sur Aigang. Ok. On dit qu'on veut tenter des dispers en AOE, quoi, le plus vite possible. Bah c'est mauvais, hein. Et ça le protège un peu pendant un petit moment parce que le Tianlang peut quand même l'HP là. Il est assez low HP le. Aigang. Est-ce que t'as envie de skill 2 ici? Ça booste avec le Aigang, mais en soi t'enlèves la protection de l'âme. C'était le move en vrai. Ouais. Parce qu'il fallait tenter. On a le move normalement qui a le skill 2 qui va faire des très très bons dégâts. Peut-être même tuer ce Aigang. Pas loin. Aïe aïe aïe. Mais c'est Tianlang qui va l'achever dans tous les cas. Et là ça va être un Meiwang contre le monde honnêtement parce que ça devrait tuer la Shizuka aussi. Ouais. Et là Meiwang contre le break def de Tianlang avec
les dégâts de Mour, le break attack, etc. Bah, c'est compliqué. Hein. Bah, il faut qu'il proc beaucoup, je dirais, à chaque tour. Ouais. Ah, ça commence bien. Ça commence très très bien. Ah non, mais il y a le break death qui fait trop mal. Ça se tanque pas tout ça. Mais c'est comme on l'avait prédit, hein, ce Newang à la fin, là, qui était pas vraiment une super menace. Ouais. À part s'il proc tous les tours, mais c'est même pas le cas ici, donc compliqué. Même s'il est proc. Donc là, c'était un petit stomp de la part de Pink, en fait. C'est des gameplays très agressifs. Ouais. C'est lui qui a eu, qui a mené la danse sur ce set. Exactement. Là, vraiment, ce combo de Moore Swift avec un Shang Kong très rapide ou carrément Swift ici, je pense, avec le Tianlang à côté, et bah, ça te met un très 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 bon combo parce que soit tu cut, soit t'as le Moore Shang Kong et juste tu contestes, quoi. Wow, c'est des gameplays très différents de ce qu'on a hier, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus agressif ici, hein. Vraiment, c'est à qui aura le premier tour et en général, bah, ça te décide de la game. Mm. Alors, est-ce qu'on repart sur des pré-ban Etna, Tianlang? Ok, on repart directement là-dessus. On a le first pick du côté de Pink. Et il avait pris Egang, hein, c'est ça? C'était ouais, first pick Egang, ouais, qu'il avait. Non, c'était Obabo qui non, ouais, c'était pas Egang. Alors. Bah, en vrai, ils vont se voler le first pick Egang qui est pas pré-ban en fait. C'est fou hein, qu'un counter pick soit first pick en compétitif. De ouf. Donc, est-ce qu'il va nous prendre un. C'était Oliver tout à l'heure qu'il avait fait et Adriana. Ouais. Sachant que bah, Pickroid, elle met pas trop cette Adriana, hein. Il l'avait pré-ban. La game juste après, donc Réchir. Là, partons sur Réchir. C'est vrai, il n'y a pas de Tianlang. Ah, c'est intéressant le Réchir, parce que pour le coup, Pink ne le joue pas, ce Réchir, je pense, vu qu'il a Tianlang et tout, tu vois, avec le boost, c'est un peu compliqué à faire. Mais à mon avis, c'était pour être plus polyvalent. On la voit venir cette game. Oh, la game Layla Tomoe, c'est le truc où tu ne joues pas un seul tour. C'est ça. En fait, si ça commence à jouer, c'est fini. C'est un peu le Gagnator des temps modernes, on va pas se mentir. Et en plus, il y a plein de combos à faire avec ça parce que imagine t'as une Etna qui stun, bah tu fais cut Layla. Imagine t'as un Léo qui dot le Ishir, bah tu fais cut Layla encore une fois. Alors, okay. Le Daphnis, il est un peu sus dans ce moment-là, non il... Ça mat. Qu'est-ce qu'il fait Daphnis là, vraiment? Parce que si t'as pas le tour 1, il fait quoi? À part juste être contrôlé. Bah, il veut vraiment one shot avec, hein, mais il doit être bien rapide. Hein. Mais il a qu'un seul lead speed, un seul contest, donc là, il doit mettre un ulti speed. Tu bannes Ishir. Il a deux contests, je pense que c'est un Zimasuft. Ouais. Tu penses pas que c'est un Zimasuft? À mon avis, ça doit être son contest. Hein. Ah ouais, ouais. C'est du strip silence et c'est son contest. Il met un deuxième lead et. Donc il banne le Aegang donc? Il banne Aegang. C'est ça que s'il banne Aegang, le Ren, s'il est full wheel, c'est pas une menace. S'il est full wheel, ouais. Si son Ishir est pas en wheel, bah en vrai, dans la méta avec les Aegang et tout, en général, t'aimes bien avoir ton Ishir en wheel. Ouais, ouais. Ou alors tu bannes juste Ren et tu te dis. Alors là, c'est un ban Aegang. Ouais, non, mais... là, je pense que c'est Aegang. Ouais. C'est ban Aegang tous les jours. Vu la Clara, je pense qu'en effet, ça doit être le cas. Ouais, et là c'est un match crucial. En fait, il faut que Clara réussisse à faire strip stun. Ce qui n'est pas le truc le plus fiable du monde, tu vois. Vraiment pas, hein. Parce que si. Ouais, si tu. Ok, donc on aura un lead 19, hein, c'est pas non plus énorme. Ouais, mais avec Ishir ça devrait aller. En vrai, c'est pas si mal. C'est juste que Psamat. Ah non, il y a Red CD de. Ça dépend des wheels aussi, s'il est en wheel. Oh là 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 là, alors voyons voir. Est-ce qu'il est en wheel? Le Ishir n'est pas en wheel. Oh, le Ishir n'est pas en wheel, c'est perdu FF, allez, salut, bye. Attends, ça dépend. Est-ce que Zima joue avant ou pas? J'ai pas un prix. Ah, Clara. Oh, et la Clara, je joue avant, mais il y a. Ouais, ok. Est-ce qu'on full strip? Est-ce qu'on stun? Oh, c'est un très très bon stun sur la Clara. Layla, pardon. Donc là, il joue juste avant la Tomoe, c'est bien. Il a le silence. Daphnis va pouvoir faire son Oh non, il s'est fait strip stun. Oh non! Daphnis! Aïe 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 aïe. Daphnis! Mais non! C'était ton moment de gloire et tu vas plus jamais jouer de la game! Ah, quoi. Ah bah non, il se fait silence. Oh, le clutch, le streamstorm d'Esper de la... Bon, peut-être qu'il y a un moins. Peut-être qu'il y a encore un moyen. Ouais, il y a encore un moyen, clairement. Ça, le problème, ça va être ce Psamat qui va revenir à la vie potentiellement. Ouais. Et vu que là, on compte sur le reset CD de Psamat pour tuer le... Non, de Daphnis pour reset CD le Psamat. Là, il prend le focus de ouf, Daphnis. Ok, on cherche un break death sur ce Zima. Par contre, si on arrive à avoir le sort 2 du Ishir aussi, qui s'est fait reset CD malheureusement. Oh, c'est foutu maintenant. Ah là, c'est compliqué, hein. Et mais... en plus, là, quand ça commence à jouer, tu connais, hein, ça finit plus. Hein. En vrai, je dis ça, tu sais, mais je suis même pas sûr que ça aurait changé. Tant que ça, qu'il soit pas seul, Daphnis, il aurait focus pour. Tu vois, si le Ishir, il a son sort 2, il peut peut-être encore faire un petit truc et tout, mais. Ouais. Pour moi, ça s'est joué au fait que Ishir pas en wheel et que t'es laissé le Ren en fait. Bah, justement, c'est ce dont on avait parlé. Est-ce qu'on banne le Ren si on n'est pas en wheel? Mais du coup, il a pris une Clara, donc il était obligé de banner Gang, et du coup, bah, il s'est un peu enfermé là-dedans. Hein. Oh, dur! Il y avait peut-être un moment de gloire au moins pour Daphnis de tuer un truc,
Mais non, c'était pas comme ça. Et honnêtement, je sais même pas ce que tu fais avec Daphnis là. Tu vises le sort 2 pour ZCD ou tu fais le sort 3 pour tuer un truc et ça se trouve pas avoir les dégâts? Je sais pas, hein. Surtout qu'il y a beaucoup de rest-check et tout, ouais. Donc c'est pas le truc le plus fiable. Tout comme Clara, pareil, pas super fiable. Peut-être qu'il la pique en mode bah, c'est un lead qui peut strip et tout, et au moins ce sera pas après, par Pinkroid, tu vois. La Clara en vrai, elle a fait 3 stuns, elle a fait son taf. La Clara a fait son taf. Mais elle a forcé le Banigang. Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, on sait que le Ishir est pas en wheel et tu vois ce que je veux dire. Eh, hein. Ça commençait par 1-0 pour Babo, presque 2, et là il est en 3. Hein. 3 balles de match hein, du côté de Pinkroid. 3 grosses balles de match ici, donc ça va être très très difficile d'aller le chercher ici. Mais rien n'est perdu. Peut-être qu'on sonnera les crêpes d'argent, n'est-ce pas? Ah, c'est ouf. En vrai, tu sais, les mecs qui ont vraiment une capacité d'adaptation et fort en draft, sur un BO7, ils sont vraiment là pour performer. Ouais, vraiment. Ok, on a ce pré-ban Mo hein, qui fait du sens hein, contre Pinkroid. Ça a un peu été le pré-ban de toute la Special League. Enfin, la Special League, la Swell plutôt. Là, est-ce qu'il nous prend un Oliver? Est-ce qu'il nous prend. Aegang? Ah, Aegang, ouais, hein. J'oublie Aegang, je suis con quoi. Genre, on a vu Aegang faire toute la rencontre et moi je parle d'Oliver. Mais... Genre 2002 quoi. Et vu qu'Aegang il pourra pas prendre Etna et compagnie, du coup on prend Tielang, on prend Sekhmet. On a vu que Babo a dû pré-ban cette Sekhmet donc. Ça l'embête un peu forcément. Est-ce qu'il nous prend un lead speed? En vrai, vu que t'as Sekhmet en face, t'as un peu envie? Ouais, mais est-ce que t'as vraiment envie de full contest ici? Peut-être que tu veux limite partir sur un Bruiser, plus un petit contest quand même, pour pas être trop tour 2, tu vois. Genre Chandra et. Ouais, Chandra, moi j'aime bien. Après, on est en double haut si on prend Chandra. Ok, Etna. Bah, en soi, le Legang il est de son côté, donc il peut clairement la prendre. Et Village Jewel, j'aime bien Village Jewel. En vrai, les CD reviennent très très vite avec Vela, donc c'est plutôt cool, même s'il est reset CD tour 1. Au moins, ça force un reset CD, ce qui est plutôt bien aussi. Ouh, le Myung, il est monstrueux là. Ouais, pour l'instant, il est vraiment monstrueux, donc il faudra un petit peu s'adapter du côté de Babo, mais c'est pas non plus incontournable. Le Julian est monstrueux aussi, Julian. Ouais. Et c'est la première fois qu'on voit le jouer, même s'il s'est fait pré-ban 2 fois forcément, donc il avait un peu moins d'occasion. Il transit sur quelque chose en mode out-sustain et un monstre qui fait extrêmement pression, ce Julian, mais il n'y a pas genre du Bella et tout qui peut pas pêcher Babo pour fondre les bruisers s'il y a un ban Julian. Le problème, c'est qu'avec Bella, tu peux pas trop aller chercher directement ce Julian. Ah, mais tu bats Julian en fait. Je me dis, le mais il y a encore un last-pick, quoi. Ouais, mais qu'est-ce qui sera aussi fort que Julian dans ce moment-là? C'est vrai, on peut se dire ça, mais parfois on a des surprises, tu vois. Tu dis, oh non, en tout cas, je banne ça et tant pis pour le last pick. Et en fait, le last pick, t'es en mode, bon bah, échec et mat, quoi. Là, je vois dans une draft avec Bruiser Riley, je pense que t'es obligé de ban Julian en fait. Oh! Ah oui, il prend des menaces à haut. En fait, il dit que peu importe ce qui se fait stun, reset CD, etc. Que triple vent, c'est pas si fou ce qu'il fait au Babo là-dessus là. Tu vois? Bah là, je pense qu'il force le ban sur ce Douglas et ouais. Il dit qu'il a plein de menaces et donc. Peu importe ce qui se fait reset ou stun ou compagnie, bah, il pourra quand même contrôler, tu vois. Donc là, il va forcément ban le Douglas, il a pas le choix vu sa draft. Ouais, non, clairement, il faut le ban. Hein. Et il se dit, j'ai beaucoup de contrôle avec Sagar, avec Etna. Mais moi, je vois ça, je peux pas spécialement me garantir sans sustain que je vais gérer Julian Riley. Tu vois ? Ouais, ouais, il y a beaucoup de cycling, il y a beaucoup de réduction ATB, etc. J'oublie le soin de Vela Juel, mais tu vois, c'est pour moi difficile de gérer. Dès que Julian prend un tour, tu perds un mob. Ouais. Et t'as vu, il banne la Charlotte qui a justement le plus de potentiel d'avoir des slips, ouais. Donc récupérer ses sorts et du coup beaucoup beaucoup cycler. Sachant que la Etna, bah, elle est un peu nerf par ce Tienlang. Hein. Aussi. Alors, tu vas stun qui va aller sur la Sekhmet, je le sens. Est-ce qu'il tente? Il l'avait fait pendant la saison. Et il est allé sur la Sekhmet. Il est retenté. Et il est passé. Wow, ça le met très 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 bien. Stun en plus sur Tienlang, ça le met bien. Julian va proc, tu es Etna, let's go. Ouais, oui. Si, proc. C'est le move, hein. Yeah. En vrai, il y a eu la réussite. Okay. Oh, c'est lui. Allez. Qui proc. Ok. Là, le sort devrait pas tuer. Ouais, hein. Ouh, c'était pas passé à grand chose. Hein. Ouais, vraiment pas. Donc là, on va pouvoir reset cette Riley, à mon avis. Faut strip, faut pas se faire reset. Oh, il la résiste. Est-ce qu'il a réduit KTB au moins? Il a la réduit KTB. Il a la provocation aussi, parce que la résistance, dans tous les cas, là, son skill 4, donc ça n'aurait pas changé grand chose. Mais là, on a été chercher pas mal de dégâts. Hein. Là, il faut stun la Riley, hein, je pense, non? T'as pas le choix. Hein. En soi, elle est provoquée et tout, donc. Ah ouais, faut la stun hein, pour moi. Pour moi, il faut stun la Riley. Ici à l'avoir, donc là on va chercher un maximum de dégâts sur Riley, la tuer le plus vite possible et ben justement empêcher Pinkroid d'avoir de la sustain. Je pense que Etna va presque mourir là-dessus, non? Ouais. Ah, tu fais les dégâts, hein, voilà. Ok, et il arrive à la tuer. Oh, elle a pixel HP. Et imagine elle prend bio là et ça fait le 4 à pour. Non, dis pas ça. on sait que ça se passe quand tu le dis. Oh! Ok, on a un proc du côté de Julian, donc ça réduit les chances de Riley, en hein, vrai, évidemment. Il y a moins qu'elle reste un du coup.
Ah, il peut lâcher. Il va lâcher avant, il a les dégâts. Il a les dégâts. Ok. Ok. Peut-être qu'on va continuer la game. Ce n'est pas encore fini. On a juste peur de ce Julian qui peut récupérer des gros bursts tous les deux tours. Il faut tuer en fait la team de Pink avant. Alors est-ce qu'il proc? Il ne proc pas, ça met plutôt bien au babot. On va chercher une provocation, on a dit sur cette langue. Qui ne passe pas. Double stun SP à droite. Oh, un seul au moins. On a un stun. On n'a pas réussi à avoir la stickmate, mais c'est pas trop grave, elle a pas encore ses CD pour l'instant. Ok. Oh, petit proc. Est-ce qu'il a les dégâts? Très bon proc là. Presque. Tu vas sur le Vela. Il tank, en vrai, il y a quand même des. Il tank vraiment. Il tank bien. bien. Là, en plus, le. Sagar au prochain tour à son sort 3, c'est-à-dire très bientôt en fait. La proc, le Tien Lang, comme ça tu peux l'achever la Sekhmet avec le Egang tranquillement. T'as largement les dégâts. Il faut pas que ce Julian ou ce Tien Lang proc. Oh là là, c'est rien. Ça oh, se passe, double stun. Le double stun, mais très bien. Mais c'est quand même compliqué hein, pour Pink. Parce que dès que le Tien Lang sera un petit peu low, bah, le Julian va pouvoir se faire. Oh là là. Alors est-ce que Julian va faire le kill? Il pourra pas tuer Julian hein, ouais, le Julian va être le war boss. Ouais non, il peut pas. Wow. Et B 4-1. Ah, sachant qu'il se faisait mener 1-0. Ouais. Dur, on va revenir sur le plateau. Effectivement. Ça va être un beau BO plein de rebondissements, mine de rien. Très beau BO. J'avais annoncé 4-2, final c'est 4-1. Je voulais pas être aussi dur avec Obavo, mais GG à Julian Mob. Évidemment, équilibré, on rappelle, qui. Voilà, mérite un up encore. D'ailleurs, si je peux me permettre, mérite peut-être un petit buff au niveau des damages, juste kill 2. Mais c'était une très belle rencontre, les gars. On s'est régalé à suivre ça. Ouais. Pinkroid qui sait s'adapter. Moi, je trouve ça fou que ce mec-là, dès qu'il a une réponse à tout, et c'est ruiné. Et c'est bien ruiné. Et c'est ruiné, mais pas par Joel Rigolo, quoi. C'est ruiné, les gars. Voilà. Pas de du hâte, un peu surpris. Il n'y avait pas d'enjeu, je pense que cette. Là, le type n'était pas super bien. En vrai, c'est ouf à quel point le gameplay a changé depuis hier, là. Là, ça n'a rien à voir. Ah non. C'est beaucoup plus offensif. Très agressif. Ah, ouais. Très agressif. Et vraiment, ça s'adapte très vite. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit beaucoup de mobs sortir, tu vois. On a vraiment eu on a eu 5 games au total. On n'a pas vu tout le temps les mêmes choses, donc très content là de voir ça. J'ai vu que vous parliez beaucoup pendant le truc. Est-ce que vous discutez juste du React play by play ou est-ce que en fait t'avais des... Je crois que c'était par rapport au pic. C'était au pic et je sais plus sur. Non, si on parlait de Velajuel justement. Ouais, retour en force de Velajuel qui disait qu'aujourd'hui depuis le buff, effectivement le mob est beaucoup plus use et il fait tout. Il fait tout et il me disait que t'avais une très bonne vitesse de base dessus aussi. Ouais, donc, t'as la vitesse qui a été augmentée, t'as le break dev, t'as la sustain, t'as l'immunité, le cycle. Enfin, il fait un peu tout. Il strip même sur la S1. Enfin, il y a pas une seule chose qui ne fait pas ce map. Et donc ouais, c'est vrai qu'on le revoit bien en force. Ça fait plaisir. En plus, ça c'est des mobs du début du jeu, donc tant mieux. Et d'ailleurs, je tiens à dire stat réel. C'est une des premières fois que Merouan ne gagne pas. C'est vrai. Il a perdu. Il s'est fait gérer, même si c'était un peu technique. Hein. Mais la situation s'y prêtait pas trop hein, pour ce moment. Ouais. Dis-moi, Adri, tu pensais quoi de Daftis, toi? Parce que moi, j'étais un peu perplexe. Est-ce que tu voyais ça comme une menace? Moi, je pense que j'aurais préféré peut-être un CCAE, un strip robot peut-être, qui aurait pu être pas mal. Mais Daphne, ça pouvait être aussi une idée. Il se disait qu'il allait tuer quelque chose tour 1, et du coup, la mort peut-être était le meilleur CC. Ouais. C'est très bon CC là. Très bon CC. Généralement, on s'en relève pas, donc ça a bien marché. C'est dommage, t'as pas payé. En vrai, quand même, Pinkroid, on s'est dit, c'était un peu le world boss. Ben ouais, il a perdu un round et après, il en a gagné 4. C'est chaud. Ouais. Ça va être nos coups, il va directement aller en finale. Ouais. Il va attendre du coup un round en plus. Bah, soit et au babo, soit le gagnant de la prochaine rencontre. Si exactement. La prochaine rencontre, ça va être quelque chose d'assez incroyable pour le chat. Okay, oui. Il va falloir soutenir notre dernier Français dans la compétition. Alors, on va se diriger vers Pafix contre Guts. Alors, la petite vidéo asset qui part en premier, c'est donc... La régie. Parce que c'est un coin flip. Hein. C'est, pas évidemment, c'est pas fixe. Bien sûr. C'est pas fixe. Évidemment. Avec toutes tes infos de pas fixe qui apparaissent devant. Voilà. C'est pas écrit ici. Voilà. Faut prendre les devants quand tu lances un truc. Faut pas avoir peur. Et c'est pas écrit. Non, mais Onyx qui est un excellent monstre hein, pour. Pas la RTA. Mais attends, non, t'es dur avec Nyx. Ah ouais? Défense arène. Défense arène. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu fais pas d'arène. C'est vrai que t'es un peu. T'es quoi? T'es sien, toi? J'ai fini 3ème la semaine dernière. Oh putain, arrête! Ouais? Oh, t'es quelqu'un, pardon. Je retire. Amdua, t'en def? Alexandra. Je lâche que j'aime avec ça. Et son adversaire Gus, petit à cette vidéo. Lui, en vrai, c'est quand même
un sacré parcours de storytelling qui soit encore dans la dernière étape du truc. C'est ouf qu'il arrive à être là. La phrase de dingue. Mais c'est quand même une dingue que ce mec soit ici. Alors que personne ne croit en lui, quoi. Mais mec, c'est Vigor sur sa feuille de. Non, c'est vrai que c'est le seul bâtard qui nous met Vigor en mode référence, quoi. Moi, ce que j'adore, c'est Vigor. Tu sais, quand tu vois qu'il y avait des comptes comme, tu sais, Sam Bicep avec Full LD, il y avait. Tito Goflet. Angel aussi qui avait Full LD de ouf. Et là, en fait, lui, il est là, il joue élémentaire, et il se dit, c'est quoi, Balek ? Moi, Guts, c'est l'histoire du petit poussé. Tito aussi, il est plein de lait, Tito aussi. Il est là, il faut... c'est le big brain. Et je pense qu'aujourd'hui, je le dis, il a les capacités pour surprendre tout le monde ici, faire fermer des bouches et aller sur le toit de l'Europe. Les gars, c'est beau. On me dit dans l'oreillette que les joueurs sont prêts, donc si vous voulez nous faire vivre tout ça là... J'y vais. Vous y allez ? Allez, on y va. On se chauffe. Pendant ce temps, nous aussi, on va bien kiffer en vrai de voir. Je vais te poser quelques questions aussi. Dis-moi. Tu penses quoi en pronostic, toi ? Pronostic ? En vrai, j'aimerais bien que Guts il gagne, mine de rien. Ouais. Pour le cœur, j'aimerais que ce soit Guts qui gagne. Après, il y a quand même une petite différence de compte, que ce soit LD ou Rune. Mmh. Pafix a des avantages et des arguments que Guts n'a pas. Ouais. Mais je pense qu'il saura mieux mettre en œuvre ses ressources, le petit Guts. Ouais, vraiment, s'il a réussi à percer hier contre déjà Raxaz, qui était un énorme adversaire. Un énorme compte. Hein. Ouais, il peut le refaire, ce Pafix. Je vois que les casseurs sont prêts, vous êtes chauds ? Oh, on est bouillants ! On est bouillants, là ! On est bouillants ici, mais effectivement, quel plaisir de se retrouver ici avec... Oh, le magnifique Cédric, regardez-moi ça. À chaque fois, j'ai l'impression que j'ai Ryan Gosling avec moi, mais il parle français. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Dose un petit peu. Mon cher VK, on y est. C'est Guts, hein. C'est le cœur, évidemment. Le choix du cœur, mais forcément mais aussi le choix de la raison. Si on met de côté le choix du cœur, la raison aussi. Sur le papier, on est d'accord que Guts a toutes les armes pour aller chercher. Clairement. Okay. Surtout en termes de draft, je pense qu'il est vraiment supérieur. D'accord. Il nous l'a déjà prouvé en plus. Mais peut-être pas en profondeur de boxe, qui est toujours un peu comme tout le monde. J'ai envie de dire à chaque fois, Guts. D'ailleurs, il sait s'adapter. D'ailleurs, pour la petite histoire, Guts a coaché Pafix. Donc si Pafix le bat aujourd'hui, c'est à cause du coaching. D'accord. Ouais, peut-être qu'il a limé sa propre lame, j'ai l'impression. C'est ça. Ce serait un peu dommage. Allez, on a Surspeak Sagar du côté de Pafix. Évidemment, le Julian qui a été banni, je comprends pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Et Guts qui nous sort son mob signature depuis hier, Smicer. Smicer très fort ici. Et je pense que ce pré-ban Julian, c'est justement parce que Guts aime bien aussi transi dans des bruisers. Et bah, quand t'es un bruiser contre un Julian, c'est un breakdev, ton bruiser, il meurt. Et donc c'est un peu compliqué. Il explose. Et encore que. Même sans breakdev, on va quand la game avance, ça peut se jouer également. Voilà, c'est pas parce que je le possède, il faut quand même ouvrir les yeux. Le mob est très sympa. On part sur double vent avec du feu. Mm-hmm. Tu sais que Guts, il aime beaucoup jouer kinky contre ce genre de draft. Oui, c'est ce qui nous a sorti d'ailleurs. En fait, lui dès qu'il voit machin, il voit rouge, il voit kinky. Après là, en vrai, il est pas mal sur sa rota. C'est fort contre Oliver, c'est fort contre Sagar. Ce qui en face, ça me fait pas peur, tu vois. Genre honnêtement, le Oliver, bon, on a un lead 33 quand même qui vient sortir ici, cette machin qui va pouvoir aussi tabasser un petit peu son mini jeune. Et tu l'as prévu. Non mais il écoute le live, c'est pas possible. Il écoute. Kinky Rakuni, non le Rakuni qui fait tant trembler les gens RTA qui disent mais c'est trop fort, Rakuni Maestro. En G3, ça n'existe pas, les amis. Donc, oui, effectivement. Mais t'es très fort en conquérant. Très fort en conquérant, effectivement, puisqu'on joue avec notre caca. Avec sa baie et son couteau, exactement. Mais bon, Rakuni Kinky, je pense que ça a pas mal cyclé. Le petit Smicer aussi qui est là, qui fait peur. On aura le last pick. Et Elena. Mais j'ai peur qu'avec Elena, t'as pas spécialement ce punch. Mais au moins, t'as l'Oblivion, tu vois. Ouais, en vrai, il n'y a que Macha qui fait les damage, quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce que j'aime pas avec l'Oblivion contre Rakuni, c'est que si t'es un peu obligé de le mettre sur Rakuni, parce que sinon il cleanse. Et Rakuni, il se donne un tour et il a plus d'Oblivion, tu vois. Puis surtout, là, il a quand même pas mal de passifs, quoi. Si t'enlèves Chandra, les 4 en ont un. Donc, c'est bon. Écoute, on va voir, c'est banni quand même. Prend quand même le ban, hein, mine de rien. Ok, et le Léo qui va être sorti aussi pour pouvoir jouer Macha derrière. Écoute, on va voir ce que ça va donner. Honnêtement, sur la draft, je suis plutôt au côté Guts. Oui, moi, tu largement. Vois. Moi, c'est vraiment Guts du côté draft. Mais si on a cette Macha qui commence un peu à trop proc, c'est ça. Elle peut pas faire un kill, quoi. Elle peut go insane, comme on dit. Mais on verra. Aïe. Ouais, et on parlait de ce proc là, il fait un peu mal. Oui, il fait même très très mal. Et là, il va pour skill 2, non? Ouais. Avec le skill 2, ça peut être compliqué. Hein, là, et je pense qu'il va skill 3 dessus, hein, juste pour le full dégâts. Ouais, et essayer de le tuer. En plus, on a envie de. Il le fait pas. Il se dit peut-être qu'il a les dégâts ici. Est-ce que tu... Il connaît ses dégâts. Il a mis 9000 quand même. Ouais, c'est quelqu'un, hein, son Oliver. Bah écoute, ça fait un peu mal pour le rebound de Guts qui va se priver de son DPS, qui stun pas ici, qui pose quand même la bombe.
Mais ça va être... C'est que je viens de le dire, quoi. Il faut pas que cette match la proc, elle proc. C'est pas cool ce que t'as fait. Non, c'était pas cool. Non, mais de là à saboter la première game. Normalement, c'était chez Izu qui jinx. Qui jinx, mais là, écoute, ça risque d'être un peu difficile parce que, comme on l'a dit, cette Macha, il y a pas un tour où elle proc pas là pour l'instant. Donc elle peut s'enlever en plus le bon vieux silence qui avait été posé derrière. Et ça va être compliqué. Surtout le skill devait revenir. Ouais, et Rakuni, malheureusement. Il va pas, plus la game va avancer, plus ça va être compliqué pour lui. On a du bon contrôle aussi de bas avec ce Oliver derrière. Je pense que ça va être dur. Par contre, ça joue beaucoup en effet. Mais Lorakuni, comme tu le disais, en fait, il était surtout là pour enlever ses breakdev du Macha premier tour. Et ensuite, t'es bien, tu vois, t'as plus le breakdev du Macha. Et oui, normalement, tu tanks. Puis redonner des tours et permettre justement de temporiser. Mais voilà, le Macha ya, ya, ya. Non, mais c'est trop grave. Enfin, je commande le pain à ton fils. Mais regarde, c'est un scandale. Non, c'est un scandale de jouer. Macha, elle a un kit où elle joue automatiquement. C'est un buff, il y a eu quelque chose ou pas? Cédric, dis-moi la vérité. Ah, c'est un patch. C'est un patch. C'est un ninja patch. Ouais. Un ninja patch, on n'était pas au courant. C'est un scandale, mesdames et messieurs, mais on l'avait dit, moi je l'avais dit en début d'émission, peut-être que la bonne étoile est devenue l'étoile de la mort. Oui. pour Guts. Je suis ton père. Tel est pris qu'il croyait prendre ici. Je vais pas vous mentir que ça semble plutôt mal engagé. C'est compliqué, hein, le 2 contre 4, j'ai beau croire en Guts, là ça va être un peu dur. Ouais, c'est un peu dur, mais comme t'aimes si bien le dire à chaque fois, je pense qu'il réfléchit à ça. Oui, il réfléchit à la prochaine draft. Évidemment, ils n'ont pas eu de consigne, ils n'ont pas à pouvoir FF. No joke. Moi j'aurais banni Macha dans la draft là. Mais il y avait un monde. Parce que en vrai après je comprends hein, l'Oblivion un peu pénible, t'as beaucoup de passifs et tout. Mais je trouve que ça manquait de punch sur la Macha, même si on a vu quand même des petits damage de ce bon vieux Oliver. Et on a le Stagger derrière qui peut être un peu pénible aussi, mais. Après, je comprends aussi le côté voilà, Guts où il se dit dans tous les cas, la Macha, faut qu'elle proc tous les tours pour gagner. Et là, il l'a fait quoi. Mais justement, et il le sait. Si elle proc, alors à moins qu'elle proc tous les tours, et c'est. On est bien, tu vois, normalement. C'est le destin, normalement. Bon, bah écoute, hein, je pense que c'est finito pipo, ouais. Comme disent les jeunes. Petit proc ici, histoire de l'achever hein, au niveau du mental. Et puis on se projette déjà sur la prochaine game. À voir ce il y en avait encore un proc, hein, cette Macha. Au moins, peut-être qu'elle a utilisé toute cette chance dans cette game. Et derrière, c'est du 4-1. C'est du K, exactement. Donc, rappelle que c'est du BO7, hein, pour ceux qui viendraient peut-être de rejoindre, etc. Donc, c'est le premier arrivé à 4. Epafix prend cette première game. Guts doit rester dans son mood, dans sa game. C'est pas parce qu'il vient de subir cette première défaite que tout est joué. Bien loin de là. Vous revoyez les pré-bans de tout à l'heure. Ce village duel qui avait été pas mal joué d'ailleurs par Guts. Oui, hier. Il est énormément joué par Guts, hein, parce qu'en fait, c'est vraiment le monstre feu qui va aller coller les drafts avec du haut vent. Parce que forcément, lui, il joue pas avec des Lightning Draft, malheureusement. Oui. Et donc, c'est du Chandra, Sagar, village duel par exemple. Et on voit pré-ban Sagar. Ah, ouais. Qui les ban, hein, les Dark and Light. Et puis là, cette fois-ci, c'est Sagar qui avait été pris en first speed du côté de Pafix. Il va pas être laissé à son adversaire. Et il y en a Egang très vite qui va être récupéré. Egang qu'on voit énormément aussi hein, sur ses rotations. Bah, voilà. Ouais, dans cette méta, il est omniprésent. Vraiment. En tant que joueur, Julian, j'aime beaucoup ce double pick. C'est un classique pour moi. C'est un classique de la littérature française. Récupérer Vanessa, Julian. Et là, on a le village qui est pris. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il part sur le tour 1. Et en vraiment partant tour 1 contre Julian, tu peux potentiellement te donner des options avec des Raki, par exemple, tu vois. Exactement, pour aller tenir un petit peu. Mais après, c'est vrai que cette Vanessa est toujours pénible. Elle fait un peu tout. Elle fait le café. Elle a le leader skill. Elle a le revive plus bonus derrière pour avoir un petit peu de punch. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Et la Sekhmet est très, très pénible parce qu'on ne peut pas aller sur des anti-morts ici. On ne peut pas prendre sur une Raki, par exemple, parce qu'elle va se faire outspeed par Sekhmet, se faire reset et derrière, elle ne sert plus à rien, forcément. Ouais, et puis même si tu bannes à Vanessa sur le leader skill, je pense que derrière, il a peut-être quelque chose en réponse en fonction de ce qui sera récupéré. On a la Prague qui va être prise. Et après on a Ishir hein, quand même, on a de la speed, mais on a pas de. Si on a Chandra en leader. On a un petit leader, léger, ouais, quoi, mais leader. On a aussi le Egang qui peut, tu sais, cut. En fait ce qui est bien avec Egang contre Julian Vanessa, c'est qu'on n'a pas ce strip break def avec la Vanessa. Et donc au moins on a un setup un peu moins fort. D'ailleurs on le ban hein. Ouais bah là j'avoue que c'est sorti la Diana aussi enfin waouh c'est dur. Le problème c'est que là son premier tour il a pas tant que ça, tu vois. Donc c'est à dire qu'il va prendre le premier tour et il va pas en faire grand chose. Je pense que là, ça va être sur Vela, pardon. En plus, il prend pas le coup Eshir. Et il prend même pas le coup, effectivement, malgré le. Il part sur Eshir. J'aurais envie de faire ça, moi. Moi aussi, hein, j'aurais été comme toi. Écoute, derrière, ça prend le bonus speed. On va aller stripper ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pas mettre de bisous, on va ralentir. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça ne passera pas sur Julian, hein. Julian qui va cut ici après, qui va pouvoir jouer. Parce que c'est vrai que ce qui embête. Le silence, c'est le silence. Oh là là, la totale. En fait, ce qui embêterait un Julian, effectivement, c'est d'avoir un debuff speed, tu sais, quand il est en bas de sa barre. C'est le seul truc qui permet de le contrôler un petit peu. Ah, exactement. Mais là, pour le coup,
un peu compliqué, un peu compliqué. On après, va voir. On n'est pas trop mal du côté de Ghost non plus. Hein. Ouais, ouais, bien on a sûr. Quand même mis les contrôles, on est full HP, même si on a une bombe sur ce Ishir, mais on est quand même protégé derrière et tout. Ça va tuer cette crête, ça peut. Allez, c'est bon. On va reset à fond cette Pra, mais qui récupère ses CD assez rapidement. Il y a des monstres feu, donc elle va pouvoir un petit peu cycler avec le sort 1. Oh, ça, par contre, ça fait mal. Ça, c'est pas cadeau, ça. Ça, on va avoir le stun derrière, effectivement. Surtout que le bisou est pas disponible hein, pour ouais. protéger cette Pra, malheureusement. En plus, on peut déjà spammer le skill 3 sur le village duel, à mon avis, pour prendre un maximum de buff. Et Sekhmet, quand c'est en réussite, hein, c'est insultant. Oh, un skill 2, carrément. Ce qui permet de se faire laver par Chandra derrière. En vrai, on vient d'utiliser le passif de Vanessa. Hein, un peu gratuitement, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu dommage. Enfin, en tout cas, un peu précipité, je trouve, de la part de Papix là-dessus. Après, est-ce qu'il a confiance en ce bon vieux Julian qui met tout sur cette Pra hein, vraiment, ouais. pour essayer de l'achever un maximum. Et une fois qu'elle est morte, ça tue pas. Elle est pas morte. Ça tue pas. Et je pense qu'elle a rien par contre. Ça tue pas. Ouais, je pense qu'elle est tout nue, mais en fait, le but c'est de. Ah purée, c'est dommage qu'on n'ait pas son break def. Est-ce qu'on peut cycler derrière? Non, est-ce qu'on peut avoir un petit stun quelque part? Voilà, c'est déjà pas mal, ça permet de t'emposer. Là, est-ce qu'il tue Pra ou est-ce qu'il va non, mettre je pense, un stun je pense sur le stun ouais. ouais, moi je pense que le skill 2 est plus à propos. Peut-être que non. Ok, non, il se dit que. Ok, il voulait spécialement eu confiance alors qu'il avait que le sort 1 dans tous les cas. Ah. Bon, il a le sort 2 apparemment également. D'ailleurs, on va le stun ce village qui était silence. Ouais, c'est quand même terrible hein, parce que là, il avait de quoi justement aller récupérer cette Vanessa. Ça embête un petit peu, heureusement, on a le bisou. Itou, skill 3 derrière pour faire un peu de dégâts. Malheureusement, ouais. Ce Julian va jouer derrière. Stun qui passe pas, double résist. Les dégâts. Mais il est silence quoi. Ah, là, ça s'annonce très mal. Hein. Oh! Peut-être ouais, je pense pas. Alors peut-être, tu ne penses pas. Non, en fait, le Spinister est trop fort ici. On a trop ouais. de sustain avec ce Julian qu'on ne peut pas tuer, hein, malheureusement. En fait, on a eu les bons procs au bon moment. Et surtout, on a eu du mal à tuer du côté de Guts. Ce qui fait que tout le temps que tu passes à le mettre sur Vanessa, eh ben, le Spinister derrière, en plus il proc, hein, pose ce qu'il a posé avec son passif. Et derrière même, il peut se permettre de heal. Le Julian, lui, il a jamais été inquiété. Il tabasse. Vraiment son adversaire, donc on en manque de solutions pour Guts. La France est debout les amis. Il a peut-être besoin de votre énergie dans le chat, le Genki Dama. On lève les mains, on lève les mains. On lève les bras à la maison. Mais tout est encore jouable. Tout voilà. est réalisable. Ce n'est que du 2-0, c'est un BO7 mine de rien. Bon, que du 2-0, j'avoue que c'est un peu chiant. Non mais c'est que, comme tu as dit, c'est que du 2-0. Qu'est-ce que c'est 2-0 pour Guts? Honnêtement, c'est face au mur qu'il est le meilleur, j'ai l'impression. Ouais, et surtout qu'il s'adapte vraiment très Exactement. Bien. Et sur un 2-0, bah justement, tu sais ce qui est un peu mal passé. Donc peut-être tu peux t'adapter par rapport à ça. Ouais, j'espère. Je pense qu'en vrai, tu peux un peu faire le même game plan que la première game. Dans le sens où normalement, c'était censé quand même bien se passer pour toi. Là, il laisse Julian open. Hein. Ouais. Il n'y a pas de ban. Chen Lang, pareil, c'est pas en pré-ban. Le first pick du côté de Chandra. On part sur du Chandra, en effet. Et Gang et Chien qui vont être récupérés encore une fois. Sachant qu'en termes de speed, on a pu voir que Pafix n'était pas en reste. Hein. Il a toujours pris le premier tour. Mais c'est mal. Je me disais, Sekhmet, ouais, c'est Sekhmet. Les deux font très mal. Parce qu'on a le contest, on a le lead. Et en plus, le Tien Lang, il est fort contre Ishir et contre Lavelle. Et Gang, et contre Villageux. Oui, on voit bien. Skill 3 de Villageux. Pourquoi contre tout le monde. Pas fort, en tout cas, Tien Lang. Mais n'oubliez pas, il a été nerf. Camille. J'aime bien la Camille. Camille est très bien ici, toujours gel skill 2, insupportable. Ah bon, j'aimais bien, je me souviens quand tu me coachais à la belle époque. Avec Vanessa Camille, break def into skill 2. C'était justement le patch où Camille avait été buff. Exactement. Elle est devenue invivable en arène, mais bon, bref, elle est devenue vraiment très très top tier en RTA. Abelio. Abelio est bien. Hein. Ouais, Abelio là, il est même pénible. On peut le dire. Et même ce Molong est un petit peu relou parce que justement, c'est pour pouvoir aller justement chercher directement. Un monstre, une menace. Surtout, je pense que le Abelio, il doit cogner hein, sur le skill 2. Donc, ça, sur un setup, sur un break def ou quoi, ça va être technique. Ah, bah, il n'y a pas besoin d'avoir un Abelio anti-Lucien. Hein, c'est clairement un Abelio bien bruiseur qui tabasse. Et on a cette petite caresse. Ouais, il réfléchit. Il a 0. Ah, Etna qui va être récupéré. Il y a beaucoup d'eau en face. Hein, c'est pas non plus ignoble, mais Sekhmet doit partir. Elle doit bouger. Après le Abelio, le problème c'est qu'il va coûter un peu ce tour. Enfin, il va cut et derrière, s'il a pas de quoi se protéger, ça peut être un peu pénible. Ouais, je pense que cette Etna, elle a un petit peu précipité malheureusement, mais elle peut quand même faire une bonne game, hein, mine de rien. Mais c'est vrai que le cut d'Abelio va être horrible à gérer. Hein. Ça fait cut tous les jours, attention les stuns. On met juste un petit break def, on se dit qu'on va chercher un maximum de dégâts et ensuite finir avec. Oh. On a des très bons stuns par contre. Très bon, ouais. Effectivement, le bisou va être posé avant ou ça va skill 3, 1, 2, suite, qu'est-ce qu'il prend? Je pense qu'il va skill 3. En général, ils font le skill 3, c'est pour cycler avec le skill 2 derrière le skill 3. Exactement. Et ça ne déroge pas la règle. Attention, cette Etna
qui va pouvoir mettre un maximum de break death de ce côté-là. Est-ce que le but c'est d'aller filmer Abelio? Je pense qu'on va, on va mettre un anti-heal genre sous Molong, tu vois, typiquement. Comme ça, quand Abelio cut, il pourra pas heal ce Molong. Et eux, ils sont sous protect, ils peuvent pas se faire provoquer. On part quand même sur le skill 3. Ok. Ah, on se dit qu'avec Tianlang, en fait, il cut pas, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, mais c'est vrai, j'ai oublié ça, mais ça me prend 50%. Ouais, et du coup, il se fait tuer, en fait. Oh non, c'est très bien vu, mais, quel... Oui. Mais quel joueur. Quel joueur. Mais nous avons douté de cette personne. Bravo, Guts, tu étais l'élu. Et tu es peut-être en train de le faire. On va voir, en tout cas, ça sent plutôt bon. Hein, ouais, là, cette game. Très, très bien. En effet, c'est Abelio qu'on avait un petit peu surestimé. Big brain, big brain. Oh, il tue pas la honte. Ça ne marche pas. C'est vrai que, écoute, j'avais complètement oublié le passif de Tianlang fonctionner effectivement sur celui de. Dans le feu de l'action, complètement oublié également. Alors que c'est ton métier, c'est abusé, non? Bah, c'est tout ça. Hein. Animateur avant oh, tout. Oh, magnifique, il est de retour avec ses profs, il tue, mais la gueule. Et là, oh, il est très très bien là. Hein. C'est très bien, ouais, je t'avoue que là, on commence à voir le bout du tunnel, comme disent les jeunes. Là, ça va, skill 3, évidemment, ça va être terminé tranquillement. Ce Molong, je pense, qui est sous break death, sans trop de problèmes, et cette Etna qui a. Bah, tu vois, Etna précipité, c'est elle qui a fait la game. Ouais. Pour moi, c'est vraiment elle qui a fait la game ici. On l'a vu, il a changé la dernière seconde, vraiment. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'Icarès, c'était pas le même. Non, c'était pas la même game. Je pense que c'était pas la même game. Ce qui peut être bien avec Icarès contre Abelio, c'est que souvent les Abelio ont pas trop d'HP, vu qu'en général bah, ils sont full défense. Et donc tu peux aller one shot un Abelio à travers son passif, tu vois. Effectivement, ouais. Mais mais il s'est dit que c'était peut-être un peu trop risqué. Au final, le Tianlang qui a un peu signé la mort, tu vois, c'était plutôt un debuff qu'un buff son passif. Ah, il a nerf sa compo. Ouais, c'est un peu l'aspect le plus difficile quand tu joues Tianlang, c'est essayer d'avoir une compo qui nerf plus la compo adverse que la tienne. La tienne, effectivement. Parce que le passif, on rappelle, il est pour tout le monde et réduit. C'est quoi, c'est 50%, hein. 50%. 50%. Hein, ouais. Donc là, le Abelio a pris que 50. Au lieu d'avoir toute sa jauge montée. Donc, effectivement, cette fois-ci, on va pas voir de Julian qui lui avait posé des problèmes l'avant-dernière game. Donc, on y va. Et ce Sagar qui veut pas sortir. C'est-à-dire que Sagar, il est sorti première game du côté de Pafix. Ensuite, on c'est terminé. Ouais, voilà, il a été ban, pré-ban à chaque fois. De ce côté-là, Guts qui a son first pick, est-ce que ça part sur Chandra? Est-ce que ça part sur Egang? Il aime bien hein, ça depuis le début. Egang qui l'a mis très bien aussi sur. Ouais, tiens, ce sera Chandra. Tout sur Chandra. Vu qu'on a pré-ban le Sagar, on prend Chandra. Comme ça, on a les deux en moins. C'est vrai, mais Egang Meister. Spicer, je pense que c'est un véritable problème aussi hein, quand on le laisse un peu faire ce qu'il veut, puisque c'est un mob à passif fort, c'est-à-dire que c'est pas un plot quoi. Il fait tout en actif, en passif, il régale, il peut stun, il peut mettre de la bombe, il peut silence, il peut strip, enfin je sais pas ce qu'il peut faire de plus, peut-être le café. La pipe et le café, évidemment. Hein. Effectivement, c'est quand même une folie. Velajuel et Shir en réponse, on est sur du classique. Ouais. Tes guts, on ressort le shérif. Classico. En fait, dans les drafts, c'est un peu lent, support, et tu cherches vraiment les dégâts sur plusieurs tours. Le Smeister vraiment va avoir vraiment beaucoup de drafts, enfin beaucoup de tours où il va vraiment pouvoir briller. Effectivement. Après, regarde, on repart sur Sekhmet. Juno est très bien. Juno qui sera, bah oui, puisqu'on a pris la Myoji. Ah, le Juno Veromos, j'aime vraiment beaucoup ici. Ah bah oui, voilà. Shizuka, merci. Shizuka, bah en fait, c'est la classique réponse, tu vois. C'est comme hier, tu sais, quand il y avait des Valentis qui sortaient, tu sors Juno, tu sors Veromos parce que ça embête un petit peu. Veromos, bon, ça très très fort en ça, tout ça, comme on dit. En S2S, comme disent les jeunes, évidemment. Pourquoi Oberon? Oberon. Oberon, non, pas fixe. Tu n'es pas le nuker que tu penses être. Ah ouais, non, mais là, il force le bal. Ah ouais, il a très peur. Après, en fait, on sait pas quelle filtrie il a fait avec Oberon. On sait pas quelle singerie il a préparé, parce que ça, c'est un coup à Oberon. Il joue une fois, tu perds un mob. Ouais, c'est ça. Tu perds un mob. Il est en double Nemesis, super squishy et tout. Oui. C'est un peu compliqué à gérer. Glace canon, on n'a pas envie de voir ça. Skip 2 pour ce. Passer le tour. Attention, on a Sway Gang aussi qui peut être un problème par la suite. Là, tu fais juste un sort 1, tu veux pas trop proc le Gang ici. Exactement. Évidemment. Là, je pense que ce qu'il a, ouais, tout simplement. Et derrière, voilà, on va s'assurer. C'est intéressant le skill 1 pour faire cut le Smeister et potentiellement cleanse derrière avec le Velajuel. Malheureusement le trip n'est pas passé donc le Smeister n'a pas cut. Un peu dommage. Presque dommage pour Guts, ouais. Un peu dommage là-dessus. Après on va voir si le skill 3 va être ok. Sur la Juno, on a quand même pas envie de se faire trip. Ouais mais je suis pas persuadé. Tu vois, je pense que c'était un peu plus pénible autre part pour le coup. Gratte sa bombe, ça c'est très bien pour lui. Parce que là, le skip 3, du coup, il est moins value, forcément. Exactement. Il met quand même du stun silence. C'est vrai que le combo Smeister, il donne du grain à moudre à Shizuka. Pour le coup, Ouais, c'est souvent dans la méta Shizuka, on était un peu en mode bah, ce monstre-là, il est fort avec Shizuka, ce monstre-là aussi, etc. Là, maintenant, c'est plus essayer de trouver une draft autour de Shizuka qui pourrait quand même faire du sens. Et c'est pas si facile. Ouais, exactement. Allez, skip 3 qui est toujours disponible côté. Ouais, c'est facile.
passe-passe. Pas fixe, folie, en effet. C'est une folie parce que ça. C'est vrai, il y a deux, trois petits trucs qui sont pas passés pour lui donc. Non, mais bien sûr, on peut pas dire. Attends, je dis pas que c'est une folie, c'est abusé. Non, non, c'est une folie parce que le mob, justement, il sert à ça. C'est le code master, donc évidemment, ça fonctionne ici, ça lui permet de pas mal rotate. Il y a eu beaucoup de moments où la Sekhmet fait n'importe quoi, elle pose rien du tout, elle sert à rien. Exactement. C'est vraiment un plot. Quand en tour 1 elle fait rien du tout, t'es en mode bon bah super, je passe un grand moment. Par contre là ça a posé beaucoup de breakdef et ça va commencer à faire un peu de dégâts, mais on a tout de même derrière cette Juno qui va pouvoir donner un peu de sustain à l'équipe, à part pour ce bon vieux Ishir qui lui est sous le break. Le silence est un peu chiant quand même. Hein. Ouais, deux fois. Et on a un très bon proc ici, on va aller chercher la bombe sur le village duel qui en plus est silence donc. Il peut pas. Je pense qu'il va mourir la bombe. Est-ce qu'il va lui mettre un petit bisou le frérot là avec Chandra, ça va peut-être tuer. Le bisou il part où là? Mais que c'est bien. Ouais, Gut c'est pas mal. Hein, en fait, c'est encore une fois cette espèce de course contre la montre pour tuer ce Smaster le plus vite possible sans qu'il puisse trop sustain, etc. Et là, il prend les antilles, il prend les stuns, etc. Donc il peut pas. Et une fois qu'il y a plus Smaster, c'est pas mal. Après, la fausse trip hein, quand même, parce que sinon, il faut le tuer une deuxième fois. Le revive, attention, on rejoue ici. Et le skill 3 qui a apporté aussi un Shizuka, prochain tour, ça va pouvoir poser énormément de debuffs. Et plutôt pas mal ce buff aussi, surtout le revive sur toute l'équipe. Oh, ça c'est sublime! C'est sublime, c'est magnifique. On a réussi à l'avoir sur le Smicer. Et donc là, le Ishir devrait pouvoir tuer ce Smicer. Il n'y a rien qui peut vraiment l'empêcher. Dommage qu'il ne le tue pas. Et en plus, on a posé un stun sur Aegon. Je sais pas si tu as vu aussi. Donc, donc plutôt une bonne nouvelle pour les gens sensibles. Là, il va tuer, non? Non, ah, mais il a le sort de village qui, dans tous les cas, est silence. Donc autant l'utiliser pour ça. Et si il proc, attention, il se faisait stun derrière. Donc c'est très bien. Attention, skip 3, beaucoup de bombes posées. Ouais, mais au final, ça fait beaucoup de sustain avec la Juno, tu vois. Donc bon, après, t'as l'antile quand même. T'as l'antile maintenant, mais. Je trouve que c'est pas mal, surtout que les bombes, on rappelle que les bombes sont basées sur les dégâts. Oh, ce qu'il a pris par contre. Sont basées sur les dégâts de la Shizuka, qu'on celle qui l'a. Là, c'était la bombe de Smicer là. Ouais, bah, bien sûr. Non, la deuxième, c'est. Il y avait deux bombes. Il y avait celle de Shizuka. Et celle de Smicer. C'est normal qu'il ait pris aussi cher. Ouais, toi, le Shir, il a pas pris si cher quoi. Non, il a rien pris. Exactement. Donc, je pense que du côté de Guts, honnêtement, on se voit là, la Juno pas trop mal. Ouais, la Juno, je vois pas trop de monde où elle peut se faire complètement gérer. J'ai pas vu en quoi elle est. Elle est en violente, elle est en. Elle est en disper là. En disper. Toi, t'aimais bien à jouer en vampire, toi. Ça m'arrive. Une époque. Ça m'arrive. Là, en Special League, j'ai un petit peu joué en vampire, mais normalement, j'ai joué en disper. Je pense que ça demande quand même des runes de porcine hein, en vampire. En fait, le truc, c'est que tu joues pas grand chose en vampire très rapide. Ouais. Donc, au final, elle prend ces runes-là et donc c'est un peu gratuit en tout cas. Ouais, on est d'accord. Allez, derrière, on va essayer de mettre un maximum de dégâts. On n'a pas trop Glens en plus du côté du shérif. Et puis, on va faire tomber, très intelligent, on a tout mis côté Shizuka parce qu'on savait qu'avec la Juno, on faisait tomber derrière. Là, elle peut proc, c'est pas non plus dramatique. La Juno c'est sa game. Et il est en train de le faire hein. Et il est en train de le faire, on l'a dit, sur le toit du monde. Allez dans le chat. On envoie des flammes dans le chat. Pour Guts, la légende qui pour l'instant s'en sort très très bien. Attention, petit skip 2 ici, ce sera sur Chandra, ça proc les deux. On rappelle d'ailleurs que Shizuka, quand elle fait revive quelqu'un, on se prive de son passif. Exactement. Ça ne marche pas, hein, le passif de Spicer, sinon alors là, les amis, on raconte pas les folies bergères. Et là en 1v1, il y a aucun monde. Il n'y a aucun monde. Parce qu'il peut même pas la disperser ni rien. Donc, Et son skill 1 n'est pas suffisant, il peut la contrôler un peu. Et on est à 2-2. On remonte. On est à 2-2. C'est cool ça. La France, mesdames et messieurs. Guts qui nous fait ce bon comeback de partout. On y croit là, on y croit. Ah ouais, on se frotte les mains. Vous ne voyez pas, on se frotte les mains de pur plaisir. On est en mode Franck-Ex là. De voir notre ami Guts là nous faire, comme on dit chez nous, une classe de maître. À l'instant T, Julian qui avait été pré-ban tout à l'heure, est-ce que ce sera du Sagar? Sagar, Villageuel qui a été pénible et qui a pris beaucoup de focus de Smicer en final hein, sur cette game précédente. Encore une fois. Il a un peu étouffé ce Smicer. Quoi. C'est ça. Et puis on a pu le voir, il tanque très bien son Vela. Donc on n'a pas envie de le revoir hein, globalement. Hein, c'est un peu ce avec quoi il joue. Et on va first pick Vanessa pour avoir un lead. Ça, Vanessa, ça veut dire que derrière il y a un Julian, hein, je pense, qui va peut-être popper. En tout cas, il va tenter. C'est pour ça qu'il va pas le first pick. Il va quand même attendre de voir un petit peu ce que fait Guts, etc. pour voir s'il peut partir sur son Julian. D'ailleurs, t'as pas trop envie de partir sur Julian Vanessa quand il y a un gang en face, que t'auras pas ce setup breakdev, tu vois. En fait, tiens, et il le fait quand même. Je crois qu'il a pas envie ce mec-là. C'est vrai que la tienne langue, ça aide. Hein. Mais oui, voilà. Ouais, ça je te rappelle que les premiers pré-ban de Guts, c'était Julian into Tianlang. Ouais. Et là, bah regarde, ils sont sur le plateau, ils sont sur la table, ils sont en train de manger bien au chaud. Par contre, Smicer est open et là, il va être récupéré du côté de Guts. Et Smicer, on sait que ça, c'est quelque chose de très très bon, très intéressant. Cette frappe qui va être récupérée aussi pour pouvoir amener de la sustain et prendre le focus. Attention, pour moi, le Julian là est vraiment quand même la menace. On a vu les claques qui collaient et c'est ce qui a mis un peu en déroute Guts sur la deuxième ou troisième game, je me souviens plus, mais en tout cas c'est un peu le genre de draft qui s'était passé sur la deuxième game où la Pra s'était fait défoncer par ce Julian malheureusement.
Et là, Riley derrière, on a un setup, on a double break def hein, au final avec Tien Lang et Vanessa. Derrière, on va les récupérer. Cette Riley qui marche très bien aussi avec Julian, c'est qui est vraiment axé autour de ça. Véromos derrière, je pense que c'est plutôt un bon choix parce qu'il y a le Smicer en face. Donc ça veut dire qu'il veut le laisser open, hein, je pense que c'est le Smicer. Exactement. Moi, ouais. Bah là, il part sur le principe qu'il va ban la speak. La Camille. Ouais. Est-ce que t'as besoin de ban Camille? Non, je pense pas. Moi, je pense franchement, je sortirais Smicer, quoi. Bah ouais, si j'étais pas fixe, quoi. C'est Smicer qui m'embêterait le plus, je pense, dans cette composition-là. Après, s'il te sort Julian, où sont tes dégâts, quoi. Après, c'est typiquement le draft où tu prends une Camille en mode c'est pas si fort que ça, parce que j'espère qu'elle va rester dans la draft. Comme ça, tu bannes le truc qui t'intéresse. Donc, peut-être que même dans ce genre de cas, tu veux quand même ban le last pick, c'est-à-dire la Camille, en fait. Ouais, bah ouais, c'est et ça. Il le fait. Et il le bat. Et la rally, c'est un très très bon ban. Mais j'espère qu'il aura les dégâts. Ouais, c'est parce qu'on n'a pas de break def, il y a un Véromos pour les bombes, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais, je suis d'accord. Bon, là, c'est vrai que le Véromos là, il met pas très bien. Il mettait pas très bien, je pense, pour tout ça. Et le Julian qui va pouvoir s'exprimer. Je sais pas, tu trouves que Riley c'était un très bon bot? Ouais. Ouais. Riley c'est vraiment sustain et on n'a pas spécialement beaucoup de dégâts. Et ouais, donc ça peut trop durer la game et ce serait pas à son avantage. Mais j'avoue que le Véromos il est peut-être même pire. Ouais, non, hein. Voilà. Ouais. Il y a déjà un bon, on sent. Oui, mais bon, bah. Moi je pense que c'est vrai que Julian, dis donc quand il est dans la game, c'est compliqué, il s'exprime. Mais en même temps je comprends son ban, son pré-ban Sagar aussi parce que... Je pense qu'il se fait pas au draft. Parce que sinon le Sagar bah, ça fait pique par le... Moi je pense qu'il se fait pas au draft, il y a trop de choses qui étaient problématiques pour la composition de Guts. Ne serait-ce déjà, regarde le Véromos on a pu voir là, vraiment, hein, premier tour qu'il fait il enlève tout. Et donc à partir de là, ton Smicer il est étouffé, qu'est-ce que tu veux faire? Là les silences, il va les cleans, ça va donner Smicer, la sustain en plus. Smicer peut pas aller chercher le Julian non plus parce que Julian s'auto-cleans et là pour moi il a pas les dégâts, il a pas la compo. Je pense que malheureusement là ça se joue vraiment à la draft, mais après il s'était un peu enfermé. En fait, comme Pafik, avant, où il s'était pris une réponse Juno Véromos qu'il a un petit peu bloqué, et il était un peu en mode bah c'est échec et mat, malheureusement. On est d'accord. C'est un peu le cas ici aussi. En fait, le seul moment où il pourrait gagner, c'est vraiment tempo la game le plus longtemps possible et avoir des HP qui diminuent, l'attaque qui augmente, avoir une traque qui peut mettre des bons dégâts. Mais il n'aura pas ce late game avec Julian. Hein. Alors, le late game, Julian ne va pas lui laisser. Ah, le pire, c'est qu'en late game, Julian, il va one shot. Oui. Bah, tiens, regarde Smicer. Hop là, ça disparaît. Alors, tour de magie. On va prendre un petit tour. Bon, la Guts, je pense qu'il faut réfléchir à sa prochaine draft. Oui. D'ores et déjà, il est très très vite. Il est réfléchi, mais vraiment très très fort. Très là. Très fort. En se disant, ah, attends, là, c'est chiant quand même. Il y a une mauvaise nouvelle aussi. C'est qu'il sera en double balle de match. Hein. Ouais, exactement. Le. Voilà, oh les queues de là qui collent. Tous les deux tours. Moi, mais c'est pas fort. Hein. C'est pas fort. Je rappelle à Come to Us qu'il y a d'autres priorités que Julian. Bien sûr. Très, vraiment, il y en a mais des millions. Et laisser. Au moins des millions. Oui, largement. Laisser Julian s'exprimer un peu. C'est parce qu'on le voit pas souvent, Julian. Non. Parce qu'il faut la voir. Non, c'est vrai, on le voit pas. On le voit pas beaucoup, hein. Tu sais que d'ailleurs, dans le ladder, ils étaient genre dans les 2-3 premiers, justement, 2-3, à jouer Julian avec Vanessa et Shire. Ah, pas mal. Bah, ils faisaient ça tous les drafts et ça montait. Et ça montait, bah ils ont raison. Julian et Ban. Ah, pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Pourquoi? Mais c'est ça, pourquoi se priver, les amis? Allez, en plus, le mob est très dur à ruiner et tout. Non, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, par pitié. Insupportable. Insupportable. Allez, on dirait moins avec Neftis. Ouais, c'est vrai. C'est... Non, bah après, toi, Neftis. C'est faible. T'imagines, un Véromos, la counter. Honnêtement, sans faire le mec. Shay est d'accord avec moi. On est d'accord. Shay, je le regarde, il trouve aussi que. Shay qui nous fait des grands signes, il dit Neftis, c'est pas ouf. Ouais, non, c'est pas ouf. Non, d'accord. De bœuf. Agité sur les lèvres et c'est clairement ce qu'il dit. Là. C'est exactement. Il nous écoute même pas. Hein, je il est vraiment il est dans son monde. Je vois, il est très beau. Dans sa bulle, dans sa bulle. Il est très beau. Oui, il est musclé de fou ce mec. Allez, on revient au match. On a le Chandra. Ouais, le Smicer qui revient à chaque fois. Parce qu'en fait, vu que le Sagar est ban, pré-ban d'ailleurs, bah, c'est le monstre vent qui va bien dans les drafts de The Guts. Et donc, bah, si tu lui prends le Smicer en plus, bah, il faut aller chercher un monstre un peu vent comme ça ici, mais ça ne s'y prête pas trop, donc peut-être forcer le Ishir. Ouais. Pour avoir un triple élément, mais du coup, Light and Dark, et bah, comme il n'a pas des gros 5 nat LD. Ouais, ça part double haut. Ouais, double haut, et ça puis petite double haut contre Smicer. Je suis pas hyper fan de ce début, mais il y a peut-être quelque chose derrière la tête. C'est pas fini non plus. Attends, hein, c'est quelqu'un, hein, ce mec-là, on le rappelle. Alors, je vous rappelle, si vous nous rejoignez, il y a 3-2. Ce sont des PO7, plus le droit à l'erreur du côté de Guts. Le Tien Lang qui va sortir. On a récupéré la Camille qui lui tenait tant à cœur du côté de Guts. Woussa qui va peut-être rentrer dans cette compo. En vrai, la compo est très axée haut.
En fait, le petit problème avec Wusa, c'est que comme c'est 3 tours d'immunité d'un coup, s'il n'y a pas trop de strip en face, t'es content. Mais là, il y a le strip avec Tianlong, avec le skill 1 de Village Duel, avec le passif de Smicer. Moi, je pense que c'est si pas fixe, il part sur une Diana, il ulule, hein, Guts, un peu quand même là. Ouais. Là, bah, là c'est une game Diana là en face. Diana et. Oh, Miles Morales! Incroyable! Le Miles, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est un truc bien tanky, qui aura des dégâts fixes. Et c'est un peu ce que tu veux dans ce genre de game. Hein. Là, tu sors. Là, t'es Guts, tu sors quoi? Tu sors limite la Smicer alors. Non, mais si, à la place de Guts, tu sors Smicer? Je pense pas que tu sors quand même le Miles en effet. Je pense que Miles c'est celui qui embête peut-être le plus. Ah, Miles, ok. Je pense que la Camille était plus chiante selon moi. Selon toi, d'accord. Ok. Après, bah, là, le Early, il aime pas trop ce Miles et on a. C'est vrai qu'on a Wusa derrière qui peut peut-être avoir de la bonne temporisation face à ce Miles. Ah, mais ça strip quand même, quoi. Ah, je suis pas si confiant dans la draft, ouais. Mais c'est vraiment faisable parce qu'il a le lead speed avec la Stack Mate, donc il va pouvoir reset un truc qui est chiant pour sa Federica. Et du coup, la Federica va normalement pouvoir one-shot un truc. Ouais. Ce qui est pas si mal que ça. Ah, donc, on a un reset et un kill. C'est très bien, là, c'est un bon début. Oui. Peut-être qu'il déroule son jeu. Attention au rebound, comme on dit. Si tout se passe bien, normalement, on n'est pas si mal que ça. Ouais. Et puis là, garder son skill 3 ici. Hein. Donc, pas de panique à bord. Ouais. Pas de skill 2. Je pense qu'on va skiller un peu dans le shield, évidemment. Est-ce que là, on tente un strip post? Non. Non. Perce l'immunité. Et là, ouais, la Federica va pouvoir aller one-shot un monstre. Hein. Ouais. La Federica peut nous régaler. Attention, elle est pas trop inquiété. Ouais. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de proc, hein, quand même. Ah, oh, peut-être. C'est là. Oui, c'est bon, ça passe. La Federica violent, la fameuse, la que personne fameuse. Ne fait. Il est de retour. Et là, c'est plutôt très bon. Alors attention, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, puisque voilà, derrière ça va être un gros problème. C'est ce qu'il m'a dit, parce que normalement, les Federica, tu les mets en double Nemesis Wheel. Ouais, ouais. Tu te dis, bah, elle cote avec le Nemesis, c'est fragile, tout ça. En fait, son violent est tellement bon. Que, il est aussi bon que son double Nemesis au final. Ce qui est quand même fou, ouais. De pouvoir se flex à ce point. Il y a peu de gens qui peuvent faire ça. Hein, on est d'accord. Est-ce qu'il va aller reset la Camille? Elle a pas fait cette. Le Tianlong encore. Le Tianlong, ok. Ah, il veut pas de strip de masse, je pense. Il va falloir tuer à côté. Et là, est-ce qu'il y a le proc? Non, malheureusement non. On n'a pas ce proc. Ok, mais là on a un proc sur Wusa, hein. C'était plutôt pas mal. Ça aurait été huge d'avoir un slip de tour pour éviter les break death à foison. Je pense que là ça skip 3 tranquillement pour cycler. En plus, on pose le debuff sur Tianlong et derrière on n'a pas de quoi cleanse avec Velajuel. C'est pas trop mal, hein, ce que nous fait Guts pour l'instant. Il est vraiment bien. J'ai juste peur de la Camille qui go insane, tu vois. Mais on a le Wusa qui va pouvoir apporter quand même de. Ouais, mais la Camille elle sera un V4, du coup elle pourra pas trop le faire normalement. J'ai très peur des Camille. Ouais, non, mais je peux comprendre. Hein. Camille est un mob effrayant. C'est effrayant. Voilà, il était. On va chercher le Village Duel, à mon avis. Ou le Tianlong, ok. Bah, Tianlong, il avait full reset, c'est un peu le mob qui la contrôle. Là, ça va y tranquillement. Je pense qu'on va chercher Village Duel maintenant et laisser cette Camille toute seule. Et en fait, plus la game va avancer, moins elle sera à l'avantage de toute façon de Camille par rapport à son passif. Okay. Et puis, c'est vrai que Wusa, avec le skill 2, va pouvoir passer à travers et faire pas mal de damage. Donc, classe de maître. Oui, classe de maître. Classe de maître, 3-3, normalement, si tout passe bien. Normalement, attention, c'est 3-3, il a ça. On a encore une Camille à enterrer, mais normalement, ça devrait bien passer. Normalement, ça devrait pas trop crit. Là, on va se kiffer. On passe sur le Wusa en plus, on va pas sur ses stickmates. Ouais. On va pouvoir reset un maximum. Donc c'est très bien, Wusa qui va récupérer son skip 2 juste après. Voilà, on va faire vraiment, on met les petits dégâts avec cette Federica. Non, je suis pas inquiet là sur la suite de la game. Et là. Et alors là, ouais, il prend pas de risque, hein, il quand se dit attends, non. On met le skip 3, pas de problème, skip 2 ici. Ouais. Il le tente quand même, hein, c'est pas fixe, il a raison, mais. Et c'est évident, et là par contre ça a passé au travers, voilà, les bons damage, skip 3, attention sur le petit crit, et si on n'a pas trop de proc sur la. Ouais, c'est juste ça qui fait durer la game, ce sera les procs, après ils sont limités évidemment, on n'est pas en arène, hein. Où c'est la Kung Fiesta. Ah, mais ce proc de Federica qui quand même a. Ouais, je te promets qu'il a mis très très bien. Et en plus, il a récupéré son sort 2 derrière plus rapidement et tout, parce que normalement, Federica, si tu tues, tu récupères ton sort 2. Ouais. Sauf que là, bah, vu qu'il a pas tué, bah, il a eu ce proc pour le récupérer au final assez vite. Et ça l'a mis très très bien. Balle de match pour les deux. Balle de match pour les deux, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour Guts. Il peut pas pré-ban Julian. Il peut pas pré-ban Julian. Mais par pitié Guts, ban-le ce Julian. Je sais que t'es fan de moi Guts, mais le laisse pas open, c'est bon. C'est vrai qu'il y a ça. Ah, c'est vrai que bah, c'est pas un détail. Ah c'est un détail qui a son importance en tout cas. On peut le dire ici. 3-3 par contre, je tiens à le dire quoi qu'il arrive. On nous offre du très grand spectacle. Oui. C'est superbe. Ah bah là, le BO7 en cette game, c'est exactement ce qu'on attendait. C'est le BO7 qui est respecté, qui nous respecte. J'espère que vous passez un bon moment chez vous aussi, les amis. Devant cette rencontre, pas fixe. Guts
tout de suite, dernière game, mon cher Cédric. Et on espère que ce sera pour Guts, hein, quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors là, je suis très surpris de ce first pick, évidemment. J'imagine qu'après, ça va être quoi ? Sien Lang, Julian, peut-être du côté de Papix. Et Gangeshir ? Ouais, peut-être. Ici. Attention, Guts the Berserk. Sur quoi il part ? Est-ce qu'il va aller chercher de la Chandra ? Est-ce qu'il va aller chercher du Egang directement ? Est-ce qu'il veut partir sur une stratégie totalement opposée ? Pitié, pas de, de... Là, il réfléchit. Hein. Il se dit que le Egang Eshir avant n'a pas trop trop marché. Ça devait être son plan de jeu. Donc, on change le plan. Surtout que Moore, on n'a pas vu. Attention, c'est la panique à bord ! Le fun et la vitesse d'abord. Mais heureusement, ça reste quand même deux pics qu'il a l'habitude de faire. Ça me semble pas ignoble. Mais Smicer, on sait qu'il ne vit pas face à Véromos, il ne vit pas face à Julian. Laisse-moi deviner. Comment ça, Covarchi ? C'est pas mal ici, Covarchi. Il se prend pour qui, ce mec ? Mais il se prend pour le cas. Il se prend pour Bafix. Mais il sait qu'il a le droit d'utiliser des mobs élémentaires ou... D'accord. Covarchi, tu peux rappeler pour les gens ? Alors, ça passe ce que ça fait. 3 tours d'immunité, 3 tours de buff attaque. Et surtout, on a le même sort 2 que Zibala, donc on peut refresh les CD. Et donc, en fait, il a la perma immu. Et c'est refresh les CD, plus ça donne 50% de... Laraki, j'aime beaucoup. Laraki qui est anti-revive, effectivement, qui est très bien. D'ailleurs, Covarchi, si on a un Covarchi, ça veut dire qu'on n'aura pas de Tien Lang, je pense. Il n'y a aucun intérêt. Oh, mais non, il n'y a pas d'intérêt, en effet. Il sort Léo ou pas ? Non, il y a trop de feu, là. Léo, ça serait pas, forcément adéquat. Le robot d'arc ! Arrêtez conneries, Guts. Guts, est-ce que tu crois à ce robot d'arc ? Est-ce que t'as envie de le voir ? Donc là, il a prévu de ban Sekhmet. Ah, c'est toi, c'est pour toi, il le fait, c'est dédicace. Toi, t'es fan de robot vent ? Ah, j'adore. Mais par contre, oui, qui dit robot vent, c'est qu'il y a beaucoup de feu en face. Il y a beaucoup de feu, en effet. Donc. C'est un choix stratégique. En fait, je pense qu'il prend pas le dark parce que dans tous les cas, il pourra pas trop dot Julian, etc. Ouais. Mais au moins, peut-être le vent, il se dit qu'il pourra au moins stun ce Covarchi. Il ban Vanessa. Il veut le premier tour, mais malheureusement, Eshir s'est fait ban aussi. J'ai pas mentir, j'ai peur parce qu'il y a un certain J qui est sur la scène. Ah, le speed. Et bah oui, il va arriver d'être traqué. Il va pas se traquer ? Non, sur le robot. Et ça passe. Ok. Le robot qui va mettre son skill 1. Mais il est très content qu'il soit pas allé sur Racking. Je pense, oui, effectivement. Et puis le robot qui va aller sur Julian pour le. Ah bah c'est résistance, mais dommage. Pourquoi il est pas allé sur Racking ? Ah, il est tanky ! Oh, il est giga tanky ! Bah là c'est fait, moi je pense. Ça c'est compliqué. Ouais. Aïe 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 aïe. On a pas tué le Julian. Racking, c'est pas facile à sortir parce qu'il faut vraiment pouvoir one shot les Julian. Et j'ai fait plein de tests avec beaucoup d'erreurs pour finalement avoir une Raki full nuker, glace canon, dégalite et tout pour tuer Julian. Je pense qu'il s'est fait trap. Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est pas son deuxième Julian en fait ? C'est le Raki de Julian, il a un Julian glace canon. Toujours plus. Oh non. Bah là c'est compliqué. Il fallait ce kill sur Julian. Là c'est. Ah, bah là il va lui donner tout, limite. Il a le skill 2, ouais, c'est ça, il finit. Hein. Il tue un peu qui il veut. Hein. Aïe aïe aïe, pas comme ça Zinedine, pas après tout ce que tu as produit, pas tout, à moins que, il pas son imagine, de... imagine, peut-être elle est en violent, oh imagine, elle est en violent, arrête, elle proc 10 fois, non. C'est terminé, non tu peux pas trop la mettre en violent, t'es obligé d'être ensuite avec les stats etc, c'est trop trop compliqué sinon, oh non, c'est indécent, en plus on a ce stun sur le Chandra, attends, imagine, est-ce que Raki peut le faire, Raki. Parce que là, on a la bombe sur la skin qui met, mais elle meurt pas malheureusement. D'accord. Et là, on a en plus la petite sustain. Est-ce qu'il a le bisou ? Oh, le proc de Chandra, ça change tout. Il est en. Le stun ! Arrête tes conneries ! Est-ce qu'il va le faire ? Oh ah non ! Oh, elle cut juste là ! Non, t'avais pas le droit de ne pas nous donner de bonheur comme ça ! Non ! Tu te prends pour qui ? Oh non ! Tu te prends pour qui ? Oh non ! Fuck me ! Aïe. C'est un on peu. On voit rien. Ça ne voit rien. C'est le cœur lourd. On va rejoindre notre plateau. Amis. J'ai envie de chialer. Oh là, on a vibré à un point. C'était incroyable. Mais ça s'est tellement joué à rien. C'était très très close. Hein. C'était un BO au sommet. Cette Raki avait un taf à faire. Malheureusement, elle n'avait pas les dégâts. On va en reparler de ce dernier round qui a été crucial. C'était une bonne draft. Il a sorti la bonne solution pour gérer le Julian au dernier moment. C'était de la richesse de compte, mais ça n'a pas payé. Non, mais il faut dire, c'était un magnifique BO7. Oui, évidemment, oui, ouais. Il faut le redire aussi, GG à Pafix, parce que nous, on était à fond, on cherche pour Guts oui, et forcément. Tout. Attends, Pafix, légende, ce Julian, et je le dis un peu sourire aux lèvres, mais ça me fait mal pour Guts, parce que voilà, mais ce Julian, incroyable, il n'a pas réussi à trouver vraiment la solution. Et le seul moment où on se dit c'est bon, bah il est trop tanky quoi, il se fait surprendre à la fin et c'est pas passé. Et par contre je tiens à signaler que quand même la Macha à chaque fois qu'elle est sortie,
c'était un proc à chaque tour. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez, mais c'était un peu insupportable. Alors, on s'est demandé, nous, pourquoi pas le sort 2 de la Raki à l'open? Bah, parce que Julien Nemesis. Il était pas Nemesis, non? Je pense que c'est Julien. Ok, il a pas proc Nemesis sur le sort en tout cas, sur 103. Non. Ah ouais, ouais. Non, non, parce qu'en plus, il a pris le skill 1 de comment ça s'appelle du roi bovin. Ouais. Et il a pas, ça a pas bougé. Hein. Il semble qu'il a eu un petit. Ah. Mais dans tous les cas, tu gagnes 100% TB, donc je pense que. Oui. Ouais. T'es même plus que 100% TB. Ouais, mais que Nemesis de Julien, s'il est squishy. Après, peut-être que c'est dit que. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est fou, il était pas, mais. Ouais. Est-ce qu'il que. Non, mais ce serait horrible de ressasser le passé et de dire que s'il avait mis le skill 2, c'était passé avec le skill 3 derrière, ouais. Il va peut-être s'en vouloir. Après, pour la défense de Guts, tu te dis pas qu'il tank un skill 3, tu vois, c'est Julien. Julien, tu mets pas d'HP, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, pas cadeau. Ah, dur, dur, dur. Ouais. Et à la fin, c'était presque la remontada avec la Raki. Ça se jouait, hein. Ouais, ça se jouait. Hein. J'ai beaucoup aimé cette game avec la Federica. Ouais, super. Ah mais quel BO ouais. Quel BO de fou. Et surtout il y a eu de l'adaptation des deux côtés. Et je trouve que encore une fois Guts a su nous surprendre, su s'adapter en fonction des problèmes. Je pense qu'il a juste manqué de solution face à ce Julian. Et on l'a vu hein, le seul moment où il les a pas pré-ban alors qu'il pouvait, ça sortait. Et ben on avait toujours ce combo Vanessa. Après on l'a eu avec, avec Tien Lang aussi. Il n'arrivait pas à trouver des solutions. Mais 100% des games là, avec Julian, il a fait la guerre. Là c'était vraiment il pas sans vouloir. Il a quand même très bien géré. Moi je propose qu'on l'applaudisse. C'était une perte incroyable. Et là, on chipote, on dit ah, pourquoi pas ça, mais c'était. Ouais. Bah, ça, franchement, ça joue à rien. Ça joue à rien. On fera pas le match, mais je pense qu'il fera peut-être des analyses un peu pour voir ce qu'il aurait peut-être pu changer ou quoi. Mais voilà. Et le j'ai beaucoup aimé la game où Pafix, entre guillemets. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il avait au draft sur. Il a pris le Smeister, un prix machin, etc. Lui, c'était Véromos. Et il avait, en fait, il s'est retrouvé enfermé. Et comme Pafix s'est retrouvé enfermé sur la game d'avant, tu vois. Donc, ce que j'aime bien, c'était vraiment un ping-pong où les mecs se sont renvoyés la balle. Et la draft est tellement importante, encore une fois. Ah, dommage. Mais j'ai déjà pas Pafix. Waouh. On a vraiment vécu du gros lourd. Alors, on a fait la première, le premier round, en fait, de ce jour 2. Ça a duré longtemps parce que les BO7, en vrai, il y a de quoi vibrer. Hein. Alors, cette game, ça va vite. Hein. On va faire une petite pause et on avancera sur la suite de l'émission. À de suite et des bisous. Ciao.
Et nous revoilà, c'était des moments très intenses, cette pause en vrai nous a même pas fait redescendre, moi je suis toujours ultra hypé. Ouais, ouais, vraiment. Il y a mon cœur qui bat 10 000 là. Petite anecdote, j'ai vite fait envoyé un message à du coup à Gold, sur GG c'était à rien. Alors il a dit quoi? Et Pafix lui a dit GG aussi, et il lui a montré en fait son Julian. Depuis hier soir, il a mis un artefact, réduit du feu 26%. Oh, ça, c'est... Oh, la pyramide de malade. C'était vraiment c'est... à rien que ça est-ce s'est que joué. Tu sais justement si, on rentre un peu deep, mais si justement du côté de Guts, on avait des dégâts supplémentaires light ou pas du tout en artefact? Certainement, s'il si a joué Raki, c'est juste pour ça. Ok, je pense que c'était vraiment un anti-Julian exprès, d'accord. Hein. Ça se joue vraiment rien. En vrai, c'est un pari risqué, mais qui a payé parce que pour le coup, il y a eu 3 games où il a pas. Il a pas sorti. Il avait moins de dégâts parce qu'il avait pas d'artefact. Ouais, ouais, exactement. Mais. Bon, après, c'est Julian, il n'a pas besoin de ça. Julian, tu lui mets deux runes. Pas de date. Sorti du collège. Trop fort. Donc voilà, c'était la fin du parcours pour Guts, mais qui a vraiment fait vibrer toute la commu. On peut encore applaudir. Bravo, bravo Guts. Très fort. Et on va avancer vers la suite. Je pense qu'on a un petit récap du bracket pour savoir où on en est. Dans l'avancement de la compétition, on est maintenant au round 4. On va avoir Obabo contre Pafix. Et pendant ce temps, il y a Pink Ruiz qui est du coup sur toi de l'Europe pour l'instant, qui attend sa finale. Mm-hmm. Et il rencontrera du coup en finale. C'est Pink Ruiz qui a aussi Julian, c'est pas Obabo. Hein, oui, c'est oui. Ça. D'accord. Je me posais la question justement, tu vois, les détenteurs de Julian, s'ils se font un peu la guerre sur ça ou pas. Obabo, c'est Anne, Bella, tout ça quoi. Ouais. Et Noah aussi maintenant. Ouais, c'est vrai. Ça va être un gameplay différent avec Obabo. On va voir comment ça va se passer parce que c'était des gameplays très très différents. Hein. Le premier BO7 de la journée qui était super explosif. Je pense que la durée du match total de Guts Pafix a été le double de celle de Obabo Pink. Hein. Ouais, parce qu'en fait, le truc c'est que même s'il n'y a pas tant de games de plus, enfin on en a fait 7, c'est juste que les games duraient quand même plus longtemps. Pink Ruiz, c'est frérot, j'ai un train à prendre. Je te passe aussi rapidement et on y va. C'est vrai que c'était pas mal. Mais si ça continue comme ça, c'est que du spectacle. C'est ce qu'on veut en même temps. J'aime bien vibrer jusqu'au bout. Moi, j'ai adoré la dernière game pour ça. Oui. Parce que souvent, tu sais, quand t'arrives, il te reste deux mobs contre quatre, tu dis nous on fait bluff, Zarma. Ouais, peut-être qu'il peut, non. Ouais, qu'il réfléchit à sa prochaine. Alors que là, jusqu'à la fin, on était alors peut-être 3v3. C'était fou, c'était fou. Alors si les joueurs sont prêts, non, peut-être qu'on peut commencer à se placer pendant bien que nos potos sur place salle, comme on dit. Alors c'est qui joue maintenant? Ah oui, c'est Patrick. Qui reprend, qui continue, lui il est en back-to-back face à Obabo, la mèche rebelle comme on l'appelle dans le milieu. Ça va jouer très très serré, BO7, on rappelle encore une fois, ici Obabo techniquement favori. Adri, t'en penses quoi toi rapidement? En vrai ça m'intéresse de voir comment Pafix va réagir face à la cliff, c'est, tu vois, parce que là avec Guts c'était beaucoup de bruiser contre bruiser, du coup il y avait beaucoup de proc dépendant de runes. Ouais. Là, par exemple, Obabo va lui mettre la pression. Comment est-ce qu'il va réagir à cette pression? Il va nous ressortir du Abelio. L'avenir nous le dira. Et ben, c'est à vous, les amis. En vrai, je suis vraiment excité de voir ça parce que ce qui m'intéresse dans cette ligue, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs et beaucoup de gameplay différents. Ouais. Et là, on va avoir une rencontre de bruiser. Là, on a vu bruiser contre bruiser à l'instant. Là, ça va être agression contre bruiser. Est-ce qu'il va pouvoir tanker tout ça? Et en plus de ça, Pafix, bah, il sort d'un gros BO7. Donc, clairement, il a le cœur en chaman. Donc, est-ce qu'il va aussi régler justement, gérer cette petite pression, tout ça? Et surtout, il s'est probablement beaucoup plus préparé contre Guts que contre Obabo. Donc, est-ce qu'il a les armes pour aller chercher le premier tour d'Obabo? Ouais. Alors, est-ce qu'on va enlever le Julian? Il a vu la puissance de Julian contre Guts. Peut-être que tu vas le préban le plus possible ou est-ce que c'est Tien Lang? En fait, je pense qu'Obabo, vu qu'il est beaucoup plus confiant sur son premier tour qu'un Guts, qu'il a beaucoup plus d'armes, est-ce qu'on avait besoin qu'il en préban cette Etna? Donc, c'est plutôt bien vu ça. Alors, est-ce qu'il va jouer son playstyle ou s'adapter à celui de l'autre? On a vu des Obabo en compétition chercher à s'adapter. T-Gang? T-Gang là? Il l'a fait contre Pink Ruin, mais est-ce qu'il le fait contre Pacific? Je pense pas. Je pense qu'il va pas faire pareil. Il hésite. Je pense qu'il va chercher à voler des mobs. Genre Saga Chandra, tout ça? Genre, je sais pas, un truc comme ça, je sais pas pourquoi. Ah non, Oliver, c'est Oliver. Bon. Il est en confiance. Pensez-moi. Lui 33, il veut son premier tour. Et en même temps, Oliver, même contre du Bruiser, c'est très fort, attention. Ok. Alors, est-ce qu'il va sortir ça Adriana? C'était ce qu'il a joué tout à l'heure contre Pink Ruin. Adriana, peut-être un petit monstre feu quand même. Histoire de dire qu'on est en triple élément. Ou en Light and Dark hein, d'ailleurs, évidemment. C'est vrai qu'il a quand même des solutions. En vrai, une grosse Bella contre les Draft Bruiser, c'est peut-être très sympa. Vu qu'en plus, Jeanne n'est pas là. Adriana, Zima. Ah bah Zima. Du coup, ça fait un monstre feu également. Ça fait des bons dégâts de bombe. Donc, on a un bon support. On a double contest aussi grâce à ça. Après, je trouve que c'est quand même très faible speed de base pour contest un Zima, c'est 100. Hein. Bah, c'est 100. Ouais, donc je l'appelle pas ça un contest perso, moi. Bah, en fait, quand tu. Ouais, en fait, contest, moi, j'ai tendance à dire contest pour les monstres comme robots, etc., qui ont une petite base de. Et qui sont en swift. Et qui, au plus, sont pressants quand ils jouent un premier tour,
Alors là, le Kovarchi qui fait son apparition. Ouais, Kovarchi, on sait qu'il est en violent, hein, ce Kovarchi. Donc c'est pas un comtesse qui peut aller mettre un petit sort 2 pour donner le tour à quelqu'un. Juno. J'aime bien Juno en vrai. Et pas... C'est pas un truc qui est du punch maintenant parce que... Ou du sustain. Ouais, peut-être une... Après, ce qui est bien avec la Juno, c'est que t'as du strip en plus. La Sonia, j'aime bien, mais on a qu'un seul speed. Moi, j'aime bien la Sonia parce que je me disais qu'il n'y a pas spécialement beaucoup d'impact pour cette Adriana, sinon. Ouais. Là, potentiellement, la Sonia sort un truc tour 1. Le problème, c'est que si là, on arrive à trouver un force ban, un truc très très chiant à gérer, bah si on ban le lead speed, la Sonia, je suis pas sûr qu'elle ait le speed. Ouais, en vrai, c'est vrai que ouais. En effet, lead 24 secmets, ça va outspeed. Il a beau avoir des grosses runes au babo, pas fixe, c'est pas non plus un random. Par contre, faut trouver quelque chose, hein. Force ban, Macha, en vrai, j'aime bien la Macha. Ouais, la Macha, elle est chante. On l'a vu proc en plus tous les tours. Ouais, ouais. Oh, la fameuse. En plus, c'est vraiment la draft où il fallait pas qu'il perde. Ouais. C'est la draft où il avait pas Julian. Hein. C'était le Kiki qui s'est fait open tour 1, dégage. Ah ouais. Donc, un gros pari, mais qui a payé. Ok, on ban le lead speed, hein, comme prévu. Et là, en vrai, il a le combo Adriana-Sonia. Il ouais. peut tuer Kovarchi direct, non? Ouais, ouais, ouais. Normalement, il devrait pouvoir one-shot un truc à l'open. Et en plus, on aura du strip silence. Ok! T'es sûr qu'il est en vieux? Ah, je pense pas, hein! Je pense pas qu'il soit en vieux, mec, hein! Odi! Zanangs! Parce que normalement, il le joue en violent, mais apparemment, plus maintenant. Et donc là, la Sonia disparaît. Oh là là! Et c'est un clash de ouf, je suis sûr qu'on s'est tous dit, il est en vieux, il aura pas d'impact. Mais ça, en speed contest, c'est hyper fort, hein! Ah, bah oui! Bah oui, bah oui! En fait, je pense qu'il a joué là-dessus pour surprendre Oba Oba, parce que normalement, tout le monde sait qu'il le joue en violent, son truc. Et après, est-ce qu'on l'a vu proc tout à l'heure? Je pense pas, hein. Non. Il était en sweep depuis ouais, le début, depuis hein. le début, depuis le début de cette compétition. Ou alors, il a ruiné entre les deux matchs. Ah, je sais pas, j'ai eu... Mais je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'en vrai, je pense qu'il était en sweep toute la compétition. Ouais. Et que c'était un de ses contests speed. Et là, il a pris un round au moment où on s'étendait pas. Parce que c'est vrai qu'on y fort. Eh, Kovarchi, buff attaque, immunité, gain ATB. En vrai, en speed contest, ça se tient. C'est trop bien. Là, en plus, quand ton adversaire ne s'attend pas à ce qu'il soit rapide, bah. C'est gagné. Oh, propre! Il l'a lavé. Là, c'était vraiment un no match. Très il a lavé au babo. En vrai, sur des gameplay agressifs, on disait oh tiens, est-ce que Pafix va tanker? Tu parles ouais, il a déboîté au babo. Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à un autre gameplay que celui de Gyud sur lequel normalement il a beaucoup plus bossé? Bah ouais. Oui, apparemment oui. On a la réponse. Ah, okay. Mais tu sais, le fait que on ne savait pas si le Kovarchi était en vue ou en suite, enfin, maintenant on le sait. Est-ce ouais. que ça change la façon de rap? C'est clair que c'est un peu cheese, on va dire, entre guillemets. Donc il a fait le fromager là. Mais est-ce qu'il pourra le faire deux fois? Ça, je sais pas. Mais ça met bien. Ah, en vrai, c'est l'enlève le Zima. On prépare le Zima. On sait que c'est un petit contest. Mmh. C'est un petit peu relou parce que c'est un peu son monstre feu, justement, un peu fétiche quand il veut faire des drafts triple élément. On a bien, on part sur un lead speed. Bah... Peut-être un Moor, un Chandra. Ah, ça. Ok, lead 33. C'est ça qu'il a le Julian avec, donc. C'est vrai. Donc ça prend le bob. C'est vrai. Donc le E-Gang, il est vraiment bien parce que du coup, on n'a pas ce strip break def avec la Vanessa contre E-Gang parce que du coup, forcément, si on est en wheel. On peut pas mettre les break def, puisqu'il s'est fait cleans. Ok, Village Duel. Donc là, il va y avoir un Julian qui pop, non? Après, vu qu'il y a Yang en face, t'es pas forcément sûr d'avoir le combo strip break def into burst. Peut-être Chandra. En soi, Chandra, il se prête plutôt bien là. Hein. J'avoue. En plus, vu que Obabo est parti plus sur une game pas trop agressive. Pour moi, c'est Chandra ou Light and Dark. Je verrais mal un autre monstre haut que Chandra. Est-ce qu'il y a un moment où tu veux pas jouer Julian? Oh, Miles. Ah, je suis moins fan. Parce que Miles en deuxième rotation, en fait, t'es trop exposé à potentiellement un Léo derrière que tu seras obligé de ban. Ouais. Et c'est un peu le genre de monstre, s'il proc pas, s'il stun pas, c'est un peu plus difficile. Donc voilà, le voilà le Julian. Il est bien, ouais. On n'a pas vraiment de quoi le gérer en face. Verde, j'aime. Verde. À peu près. Est-ce que c'est un Verde Swift? En mode ban Oliver, Verde Swift, tu sais? Ah, je pense pas. Je pense qu'il est en triple revenge, en vrai, celui-là. Ouais. Non, mais ouais. Triple revenge contre Aegon, ça fait quoi? Après, même le Swift ici, est-ce qu'il fait grand-chose, tu vois? Bah, je me dis, il vient de bait un no lead speed contest avec le. Ouais, non, c'est peut-être un deuxième cheese, hein.
Peut-être qu'il se dit qu'Obabo, pour le gagner, il est obligé de surprendre. Et donc, mais par contre, il doit faire ça 4 fois, tu vois, ouais. C'est un peu compliqué. Imagine Ivan Oliver, et là, c'est les 33 Verdés, et il contrôle toute la team. Ouais, non, c'est pas impossible. Après, en général, les Verdés l'aspic comme ça, c'est, ouais, c'est compliqué à anticiper. D'ailleurs, il le banne pour être sûr. Ah, il veut pas le laisser. Donc, on n'aura pas la réponse, ouais, malheureusement. Dommage. J'avoue que j'aurais bien voulu savoir, là. Et on banne le Zima, enfin le... Alors, Meister, pardon. Obabo, non, c'était que Raxas qui avait le High Gang Premium sur les Desper. Ouais. Obabo aussi d'ailleurs, hein. Ah, Obabo aussi. Ouais, Obabo aussi, hein. Oh, ouais. Par contre, pas cette fois-ci. Ouais. Zéro. Tu vas réserver le Sagar. Le Sagar, tu prends un maximum de TB. Dans tous les cas, Julian, tu te dis que tu vas l'encaisser. Normalement, tu peux boost ta TB le Weaver et du coup reset le Julian. Comme ça, il aura pas son sort 2. Et en vrai, un Julian qui fait un sort 1, ça fait pas tellement mal. En général, ils sont à 70% au crit, donc ils crit pas trop ce sort 1. Voilà. Donc là, même s'il fait un sort 2, ça fait pas rien parce que Aegang avec Crystal Stump. Bon, il met tout sur Oliver. Ouais. Bah là, à mon avis, tu vas à fond sur Sagar et. Il passe sur Vanessa, ok. Parce que normalement, avec Oliver, tu peux te dire, bah je peux reset la Vanessa et one-shot, ouais, ou quelque chose d'autre. Enfin, pas one-shot, mais. Ouh, bon stun. Ouais, très 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 bon stun. C'est vrai que c'est bizarre qu'ils mettent tout sur la Vanessa. Ouais, ouais, j'aurais préféré tout mettre sur Sagar parce que ça a moins de résistance, etc., tu vois. Et du coup, juste reset la Vanessa. Il se dit, bah je vais réduire à TD. Il va sur Julian. Il veut vraiment pas avoir un sort 2 de Julian. Il se dit que sans les sort 2, avec le Sagar qui est encore reset, ça devrait pas être un problème. Ouais, mais sauf que là. Tu vois, la Vanessa qui peut pas skill 2 à cause du gang. Hein. Ouais. Ça fait quand même un peu peur. Honnêtement, je suis pas très très serein pour Obabo. Il y a le sustain qui va le mettre bien. Ah, moi je pense qu'il est bien en mode ball. Il y a un moment où il a fait un truc, le Oliver, non? Bah, il a déjà fait une réduc à TB, ce qui l'a mis un petit peu mal. Moi je pense que l'Oliver il va dégager. Oh, il tank. Alors en fait. Alors peut-être. Là on aura un petit sustain avec Vélagio, mais est-ce que ça va suffire en effet? En fait, ouh, il perd trop de temps sur cette Vanessa, j'ai l'impression. Ouais, je pense que la Vanessa c'était pas forcément le focus, c'était forcément un mob tanky. Bref, il a quand même le kill. Ouais. Et là tu vois, on a pas l'espoir parce qu'on s'est un peu raté sur le Oliver qui devrait rendre l'âme contre le Génie ici malheureusement. Tente de réduire KTV, mais c'est encore une résistance. Est-ce qu'on double crit? On double crit pas. Mais on proc. Il peut faire un 101. Ouais, il ouais, ouais, enfin, on garde le skill 2 pour le prochain tour. Et mine de rien, c'est un 3 contre 3. Et tu sais que s'il peut mettre le break d'à droite là? Ah, c'est passé, on a un Echir qui va taper proc. Dessus. Echir, mec, lui, c'est pas avec une Pyrrhune Draze, hein. Lui, avec tape. Avec Buzz Speed. Oh, ah, les dégâts! Les dégâts du Echir, je sens là. Et tu vois, à chaque fois, il peut pas faire ses sort 2 avec Vanessa et avec Max. Oh. Oh, les dégâts du Julian. Oh, les dégâts du Julian. Non, mais c'est n'importe quoi. Il a regardé droit dans les yeux, il a dit ah ouais, t'as tapé, mais moi aussi je t'ai tapé, mec. Et par contre, important à noter quand même, il a pris break death, hein, ce Miles, donc il va quand même prendre beaucoup de dégâts. Double. Et on a double stun. Bon, après, sur le ouais, Julian, ça change pas. En vrai, il faut tuer Miles très vite. Ou alors, juste mettre, bien. En vrai, mettre sous 30% HP et HP Julian maintenant. Tu vois là, faut HP Julian. Ah, est-ce que tu peux? Il tue, hein. Bah oui, il tue là. Faut tuer Julian. Tout sur Julian. Ah mais dans tous les cas ça va être mal ce qui va finir après. Ouais non. Ah c'est peut-être faisable avec des... Peut-être tu tues Julian et tu disperses. Double disper, kill et tout et tout. Oh, aïe. Fallait le tenter. Oh, quel game de Pafix. Waouh, 2-0 pour Pafix. Contre Babo. Eh, le Julian il est vraiment une fire. Il y a forcément une qualité de rune qui paye parce que tous les Julian ont passé des gars pour tuer genre le Echir de Babo à sec, hein. Est-ce que tu penses qu'il a enlevé l'artefact de Reduction? Je pense pas. Non. En vrai, est-ce que t'as vraiment les coronets, comme on dit, de changer de terrunage entre des games? Ah, surtout que Babo en soi, il a pas spécialement l'info. Hein. Ah ouais. Vous voyez que moi je l'ai dit en full leak. Bah, ça va. Obabo normalement n'écoute pas le stream, ça devrait aller. Ça alors, intéressant. Ok, on a également Préban Etna hein, qui est très très bien pour Pafix, première game également. Alors, First Pick, est-ce que tu reprends ce Oliver? En vrai, il a pas été mauvais. Ouais, il a pas été mauvais. Moi, je trouve qu'il a fait le taf. Mais on sent quand même le Sagar parce qu'en fait, tu veux vraiment cut le combo de Pafix avec ce Chandra, Sagar, avec les villageois et les compagnies, là, tu vois. Et du coup, on prend Smicer pour la réponse vent qui n'est pas Sagar. C'est vraiment très classique hein, jusqu'à présent. Un peu, peut-être. Mais j'aurais aimé voir Abou peut-être essayer un peu plus de prendre ce premier tour, même si, premier game, il a plus tenté. On prend un classique Chandra. Mais on part double feu. Double feu, on a vu qu'il y avait déjà un Miles. Est-ce qu'il n'y a pas double O qui peut être puni là?
Ou même du feu, hein, des monstres comme Masha et compagnie, Masha. Dans ce genre de draft. Ouais. Voilà, Masha, elle est vraiment bien ici. Et le Kovarti qui revient, c'est ça qu'on a vu. Kovarti, hein. Ouais. Kovarti, Masha, ton Meiwang, il dégage. Hein. Ouais, là, il dégage très très vite. Meiwang, deuxième rotation, c'est pas super fun. Sachant que Smicer, en plus, il peut te mettre des bombes. Le Tianlang, il peut te break def, et c'est un peu ce qui fait très très mal à un Meiwang. Ok, il caresse. Ah, j'ai un peu de mal, Ikares. J'aime pas, bon. Honnêtement, j'aime pas trop. À moins qu'il fasse Annie Caresse, c'était un combo qui faisait les deux en Swift des fois, mais ça monte, ça date. Oh, oh. Ok, on tente des trucs. Voilà, c'est la troisième game, les deux n'ont pas trop bien marché pour l'instant, donc on tente des trucs. Larika. C'est très bizarre, non? Ouais, c'est un peu bizarre. Il banne Village Veil pour Sarika, mais Sarika se fait ban, donc ça c'est un petit peu compliqué pour Pafix. Mais il est quand même bien dans sa draft, honnêtement. Alors, mais il y a un monde où ce Nigong temporise la game. Hein. Il se dit en fait, le sort de Nigong into le sort 3 d'Icarès, je tue un truc. Ouais. C'est ce qu'il se dit. Mais il va pas être silence par toute la terre et perdre un Mumble Open et tout, tu vois. C'est un peu ce qui est un peu compliqué. Hein. J'ai enterré tout à l'heure le Meiwang à l'open. Est-ce que la Masha buff attaque? Elle a pas buff speed, excuse-moi tout à l'heure, j'ai dit buff speed, je comprends pas. Non, c'est buff attaque, ouais. Mais t'as peut-être dit boost à TB, je pense. Ouais, certainement, ouais. Ou bah il dégage. Voilà. Je pense que dans tous les cas, le Smicer devait être tué sur un sort 1, je pense. Donc là. Est-ce que réellement t'as le kill avec le sort 3 d'Icarès et le stun Nigong? Parce que j'ai vendu ce projet, mais est-ce que c'est vraiment la vérité, tu vois? Bah disons que là t'as peut-être un... Non, t'as pas le kill. Moi y'a rien. Ah si. Tu l'as? Tu l'as pas? Tu l'as? Oh il l'a! Il l'a. Donc en vrai, maintenant il y a le revive. Il peut res le Meiwang. Attends, mais 12 000! Eh 12 mec, t'as vu? Mais il est en triple HP, je pense. Bah il était pas très rapide, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il était un petit peu lent. Double stun. Ah, le double stun, il fait mal. Il fait très très mal. Surtout que la Masha, je crois qu'elle a proc tout à l'heure, donc elle a peut-être le sort 2 au prochain tour. Ouais, c'est ça. Prochain tour. Ouais, on peut la Icarès, que c'est un peu la sustain aussi qui va apparaître ici. Sachant que le Nigong en soi, il a fait son sort 3. Donc c'est plus trop un problème à ce niveau-là. Même s'il va le récupérer plus tard, mais pour l'instant. Là. On n'est pas trop mal. Il peut entamer la caresse. Il a le break def, malheureusement pour Obabo. On va chercher un maximum de dégâts sur cette caresse. Vraiment, on va faire tomber le plus rapidement possible. On voit que le reste est dans 5 tours. Hein. Ouais, donc là, c'est sûr qu'elle dégage la caresse. Elle a un slow. Oh, alors si tu strip la. Ouais, il fallait machin. Hein. Très résistante. Ah, dommage. C'était le move. Ouais, il fallait tenter la provoque ou l'arrêt du KTB. Mais bon, fait du KTB sur machin, c'est compliqué. Le break def de tour est déjà là. En fait, là, le problème, c'est qu'il faut que tu temporises encore quoi 3 tours avec le Nigong ou 4 tours même. Et bah je prends 4 tours. Bah ça va être compliqué, faut qu'il proc beaucoup le Nigong là. Mais tu sais qu'il y a un moment il va prendre faire son sort 3 hein. Je pense pas qu'il tombe le Nigong, tu vois. Le Nigong? Ouais. Ok, alors, on a le break def. Bon bah là. Alors en fait. Ouais non en vrai il va pas pouvoir tanker toute la terre hein. Non, je ne pense pas. Surtout que le buff attack va revenir aussi. Ouais ouais j'avoue, il y a le buff attack qui revient. Et en plus tu revives avec combien de montants d'HP? Là tu fais skill de Masha, je t'ai tout en soi, ça change pas grand chose. Hey, on est sur un gros stomp au Babo là hein. Après il faut avouer qu'on n'a pas compris la dernière rota de Babo. Bah il a tenté un truc je pense par rapport au ban à mon avis. Mais ça n'a pas trop marché. C'était un peu un gameplay réactif de dire bon je vais pouvoir raise après. Mais la Masha avec buff attack ça tape hein. Ça tabasse ouais. En fait dès le moment où tu mets tes break def et que t'arrives à tuer les monstres un peu bruiser, potentiellement instant raise, on sait pas trop. Peut-être qu'il caresse à 50 avec son lead, on sait pas. Mais à partir de là c'est fini quoi. C'est monstres se font désinguer quoi. Donc là on va enlever le Tianlang. Ouais le Tianlang en vrai c'est le break def super constant pour ces deux cœurs en fait. Exactement. C'est lui qui setup le break def pour le Julian, aussi pour la Masha. Ouais t'as vu il fait Julian et qu'on n'a pas Julian, Masha. Ouais. Et qu'on n'a pas Masha, Julian. Et il fait ça entre les deux, et il a juste ses mono-cibles qui one-shot des monstres un par un et ça marche très très bien pour lui. Et ça counter complètement le gameplay de Babo qui est complètement asphyxié pour l'instant. Hey, il a tenté défensif, ça n'a pas fonctionné, je pense qu'il va retenter agressif. Hein. Moi c'est un peu ce que je voudrais voir, c'est le voir vraiment premier tour, conquérant. Et c'est un peu l'Obabo qu'on connaît, tu vois. L'Obabo, Nigong, il caresse, j'ai déjà vu. Là ça a perdu. Moins convaincant. Ouais, un peu. Alors il se dit, t'as envie de contrôler, t'as envie de mettre... Ouais, c'est dur de contrôler quand même. C'est intéressant qu'il ne mette pas son stagger ici. Il prend plutôt le Smicer, je dis qu'avec Oliver et Shir, il y aura du reset CD, donc le Smicer est un peu mieux. Avec les silences, avec son passif qui approc, la sustain sur le Sorin. Même si ça garde, moi j'aime bien aussi, avec les provocations Sorin, etc. Ouais, ça hésite, hein, Bobo là il a un Duman, Shizuka, j'aime encore bien. En vrai ça va, parce qu'en vrai la Duman peut gérer le Julian. Ouais, même un Smicer, hein, tu lui mets ça et derrière il pourra pas se faire reste par cette Vanessa. Diana c'est très fort.
Tu sais pourquoi? Bon. Parce qu'il y a un shield. Ah ouais. Et shield, ça counter oh un petit peu. Oh, il a changé d'avis, il est parti sur Oberon. Il a pas le temps, pas fixe. Mais oula, est-ce qu'il peut jouer l'Oberon? Est-ce qu'Oberon peut jouer si tu bannes Vanessa? Il y a pas tant de strip du côté de Babo au final, tu vois. Donc si tu vas. Tu sais, si tu forces un strip sur l'Oberon. Ouais. Bah, c'est que tu tapes le reste, quoi, tu vois. Ah, j'avoue. Et là, Obabo, il cherche quelque chose qui est un force ban ou qui l'aide. Ah, le Oberon, il est bien là. Oh, l'Agmo! Let's go! Je pense que Shizu est plutôt content. Let's go! Bah, mec, l'Agmaron, il va tout le bras dans l'Oberon et il le one-shot. Et c'est ça le plan d'action, mec. Mais ouais, t'es comme un gosse, ça c'est cool. Petit l'Agmaron, qui s'est pas fait ban en plus. Eh, hey, mec, mais pourquoi il a pas mal l'Agmaron? Il est con, quoi. Mais il est bête, c'est pas ce qu'il attend. Lagma, hop, tu le one shot, bim, boum, bam, et on en parle plus. Boum. Oh, boum. Très bien. La désillusion. Oh, les runes d'y. Ah, il est tranquille. Oh, et il balance à 41k. Et j'en connais un qui a Oberon et qui arrête pas de dire non, mais en vrai, Oberon, c'est pas. Non, c'est pas fonctionné ça. Oh, damn, le truc qui a tanké, qui a quand même mis un 40k, parce qu'en vrai, on se dit Némésis, c'est fragile, les Oberon. Mais il a pris 22 000, il a encore tout ça de vie. Moi, ouais, il a mis un 41k en étant aussi tanky. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Non, mais il a vraiment des runes de fou, par contre. Même si Obabo, c'est aussi des runes de fou, on va pas se mentir. Hein. Mais là, le Lagma n'a pas 503 pour CC. Honnêtement, c'est un 4-0. C'est oui, fou, en fait. C'est un 4-0. Wow, même la solution, on disait. Moi, j'étais content de voir Lagma, c'était un truc bien. Tu vois, si il tue Oberon. Si il tue Oberon. Ouais. Mais en vrai, le plan de jeu était bien. Hein. Ouais. C'est, on s'attend pas à avoir des Oberon à 30k HP là comme ça. Peut-être pas 30k, j'avoue, j'ai abusé. On assure le kill sur ce Julian, mais ça va pas suffire. Hein. Et est-ce qu'il y a un monde où. Non. Non, il n'y a pas de monde, t'es sûr? Non. Lagmaron Vio, peut-être? Un monde peut-être virtuel et différent, mais c'est tout. Hein. Ah. Et je pense qu'il est pas parti sur Sonya. Parce qu'il se dit, on sait pas, il y a trop de def et j'ai pas gagné en def, tu vois. Il y a eu un Reddit topic avec Oberon anti-Sonia. Peut-être qu'il se dit, ouais, c'est chaud. Ben là, c'est le sort de Smicer sur Duman et les deux sont asphyxiés. 4-0, mec, c'est passé vite. Quel stomp. On disait, les games de Babo sont rapides, mais on s'attendrait pas à ce que ce soit de ce côté-là. Ah ouais, ouais. Et il a pu être agressif, il a vu un angle à Oberon. Et en soi, ça fait 8 games de suite qu'il perd. Aïe. Techniquement. Vega qui achève Obabo sur ses mots. Ok. Mais les gars, on revient au desk, non? Eh ouais. On se demande si on était à la Swell ou dans une vidéo de Tito. Et on essaie, la game, enfin j'ai l'impression que le BO était un TikTok. C'est allé très très vite, les amis. C'est allé extrêmement vite. Je pense pas qu'on donnait ce résultat, mais vraiment pas du tout. Je t'avais dit, en vrai, pas fixe, il peut se défendre. En vrai, ah c'est bah là, pas c'est non bien plus... La meilleure défense, c'est l'attaque. Hein. Et c'est clairement 4 games de pré-ban de Julian, 2 autres games où il sort Julian. Les gens disent, il gagne qu'avec Julian. 4-0. Voilà, il n'y a pas de... Et carré, hein. Parce que quand tu vois... Il a su s'adapter, ça allait très vite. Pour moi, c'est masterclass. Vraiment, il a oblitéré Obabo. Là, Obabo, c'était son petit, quoi. Et surtout, on s'attendait pas à ce qu'il ait autant de réponses à Guts et que derrière, il en ait autant également à Obabo. Alors que le gameplay Obabo, gameplay Guts, pour moi, est totalement complètement différent. Donc forcément, on donnait peut-être pas le même résultat. Là, c'est fou, hein. Ce qui veut dire que techniquement, Guts lui a posé plus de soucis qu'Obabo. Bref. Eh, c'est vrai. Rapport de force, Obabo. Waouh. Et en vrai, quand tu vois que Obabo, qui est quand même assez connu pour bien draft, etc., il a été vraiment perdu au troisième round quand il a fait ce. Il a tout tenté, hein. Ouais. Là, cette draft là. Moi, cette draft, ouais, on peut. Il a tenté du Lagmaron, du Icarus Nigong, il a tenté de partir sur les Chandra Sagar, il est parti tour 1 premier tour. Enfin, tour 1 première game plutôt. Ouais. Et il n'y a rien qui a fonctionné. Rien. Et là. Muraille de Chine en face. Mais tu sais à quoi ça m'a fait penser ça là, la dernière game de tout à l'heure, Raki Julian. Oh mais non, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dangereux. Ouais, vraiment. Il a mis une patate de bourrin, le Oberon, il a pris le tour instantanément puisqu'il était en full Némésis, j'imagine, triple Némésis. Double Némésis, je pense. Double Némésis, ouais, c'est ça. Il était en wheel, j'avais pas vu. Ok, bah double wheel.
Avec une patate pareil, il prend le tour et c'est, il a fait disparaître son vis-à-vis, hein, Oberon. Je suis choc-barre. Ah, mais moi, je suis choc-barre de BZH, hein, j'embrasse la Bretagne, mais c'est, dire c'est fou là. Je sais pas combien de fois on a dit, oh, il y a moyen que la grande finale soit quand même au Babo Pink, mais jamais. Mais jamais, il y a même pas eu un sursaut de. Là, au Babo, je pense qu'il est, il est comme ça. comme dans un anime. Massacre. Shibulidana. Là, il est dégoûté, tu vois. Je sais pas ce qui lui arrive. Quoi, voilà, vache! Mais du coup, votre pronostic Pink Ruid pas fixe? Eh ben en vrai, je veux voir une game Julien tous les deux parce que deux ils l'ont. C'est demandé, on va voir. Franchement, j'ai l'impression que tout est un peu redistribué. On sait que Pink Ruid est quand même au-dessus. Il a sorti quand même au Mabo 4 ans. On sait qu'il peut s'adapter. Profondeur de box de fou. 1000 mobs runés et bien runés. Donc voilà, c'est bien beau. On va voir. Mais. J'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué encore une fois. Pas fixe, gros underdog. Et pourtant, il nous régale aujourd'hui. Quoi. Ben, je pense que si les joueurs sont prêts, nous, on va pouvoir aussi se préparer. Il n'y a plus de vidéos de joueurs. C'est la hype, là, tu vois, c'est on enchaîne. Ouais. On vous laisse la parole pour l'instant. Allez. Vas-y, c'est parti. Ah, vous voulez le studio, évidemment. C'est parti. Ah, en vrai, toi, tu dirais qui? Pff, j'ai du mal. Hein, parce qu'en fait, le truc, c'est qui est marrant, c'est qu'ils ont un peu les mêmes profils, je trouve. Hein. Oui, vraiment. Ils ont vraiment des énormes vieux. Ils ont beaucoup, beaucoup de runes. Ouais. Et c'est des joueurs qui s'adaptent beaucoup, qui ont beaucoup d'options. Ils jouent un peu les mêmes monstres. Hein. Ouais, en soi, c'est du TL. Il y a juste Pink qui tiennent aussi en plus. Hein, ouais, et peut-être la draft aussi, Tomoe et Gang, qui peut peut-être mettre un petit peu à mal ce pas fixe. Mais ouais, j'ai je pense que nos casteurs préférés sont évidemment en place. Et bah, on vous donne la main. Mais merci. Mais merci de nous donner la main, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Je te sens un peu mythique, mi-raisin. Je me sens chaud, je sais pas ce qui va se passer, mais moi, je dirais quand même un petit 4. En vrai, tu sais quoi? Full Shonen 4-3. 4-3. Ah ouais, le BO. En vrai, c'est vraiment ce que je demande. Ouais, moi, je suis vraiment pour le 4-3 aussi, ou à minima le 4-2, mais qu'on vibre au maximum. Et surtout, pas fixe, quoi. Alors, en vrai, wow. Il m'a tellement impressionné là, sur la game d'avant que je le vois me gagner, là, tu sais. Alors oui, alors attention, hein, bien sûr, il a une belle box, hein, il a des beaux mobs. Hein, on a du Coverty, on a du Tian Lang, on a du Julian et tutti quanti. Mais même quand il ne les sortait pas, il y avait de la réponse et il a su s'adapter. Et on l'a dit, c'était un gameplay totalement différent. Et puis, belle mention aussi à sa Masha. Hein, la Masha, à chaque fois qu'elle est sortie, elle a été mais alors réglée comme du papier à musique. Elle a arraché son vis-à-vis, des bons dégâts, des bons procs aussi, ça peut toujours aider. Mais waouh, bravo pas fixe, là. S'il y a un mob en wheel, la Masha, elle le déboîte. Ouais, c'est ça. En fait, si elle a son tour, qu'elle fait son skill 2, et souvent en plus, c'est ça qui est terrible, c'est skill 2 into skill 1 rapidement, soit on a le proc, soit on prend le tour. Et on a vu que ça sortait un mob très très rapidement. Donc là, ça réfléchit sur les pré-ban. Est-ce qu'on va sortir Julian Pink Ruid à Julian. Il a sorti une fois tout à l'heure, il me semble, contre Babo. Là, les deux en fait ont Julian Tielang en most pick LD. Donc en fait, est-ce que tu veux laisser à l'autre? Ah, QD, sort QD et Mour. Mour, on n'a pas eu beaucoup de Mour aujourd'hui. Non. On a eu 2-3, je crois, sur les games, mais pas plus que ça. C'est pas une journée à Mour, j'ai envie de dire. Alors, Pink, est-ce qu'il va prendre un contest? Est-ce qu'il va prendre un lead speed? Est-ce qu'il va prendre genre un DLD pour être sûr de l'avoir? Mais c'est un peu forcé quand même. C'est incroyable de voir le first pick. Julian m'affaiblit énormément, mais j'aime beaucoup. Et pas fixe en réponse, m'a pas laissé Vanessa parce qu'on sait que ça marche bien. Sagar qui était beaucoup pré-ban aussi. Oh, c'est beau, voilà, c'est magnifique. Beau, ce c'est magnifique. Le first pick Julian est extraordinaire. Et tout, bah, Smicer après, hein, classico aussi, qu'on voit énormément sortir là-dessus. Bah, tiens, sur quoi toi avec Julian si Vanessa est épique d'ailleurs? Ça marche, mais... ça marche avec tout de toute façon. Il prend un Riley, c'est vrai qu'il a vu que Pafix avait fait des drafts avec Riley Julian tout à l'heure. Il se dit, il y a un angle. Là, en vrai, par contre, t'as double vent, donc la Masha peut peut-être être sympa. Masha peut même être très sympa. Faut pas qu'il tombe dans le piège pas fixe, comme on l'a pu le voir hier du bol vert en disant qu'il y a du Riley, machin, etc. Et Coverty, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi. Ça pourrait être fermé là. Après, bah, il y a double vent, double feu, c'est pas non plus déconnant. Je t'assure, là, il a 3 break def hein, sur les petits mobs, donc c'est pas dégueulasse, il a du contrôle. Masha. Alors attention ici, parce que la réponse en double haut à Aegang. Aegang est pas si menaçant. Oh, il prend le bol vert parce qu'il a Riley. Et en fait, après, bol vert, ça veut dire qu'il banne pas Masha. Je pense qu'il banne pas Masha. Bolverk, c'est vraiment free stack. Tu vois, Masha, en fait, c'est un plus haut à stack. Et donc, du coup, je pense pas qu'il va ban ça. Dans l'idée, il sortirait plutôt un Sagar pour le contrôle, peut-être. Je sais pas, à l'instant T, on verra le dernier ban. Je préfère Mais Tao. ouais, quand même. Parce que moi, je me disais, le Bolverk, je suis pas sûr qu'il a un impact vraiment si important parce qu'il y a pas énormément de stack. Par contre, un Ciao, il peut faire des gros sorts de torrent. Tu l'appelles Ciao. Ciao. Ton petit côté italien. Ciao, bella. Les Gauthier, ciao. Et par contre, effectivement. Faut parler d'un truc, c'est qu'on parle de Pink qui a une profondeur de rune énorme.
il n'y a pas grand monde qui a un Chao de Runé de manière vraiment sérieuse et qui va faire les dégâts qu'il va faire. Tu vois. Surtout qu'on ne le voit pas forcément souvent aussi, comme tu disais. Ouais. C'est vraiment là, c'est l'adaptation, encore une fois. Il nous sort une compo un peu spéciale. Le last pick de Pafix, c'est pour l'Oblivion. Elle fait quoi? Elle a un passif Elle a un strip slow réduit KTB. Oui, c'est chiant quand même. Et sans faire de dégâts, donc en vrai, des fois ça peut être sympa, ça fait d'approc des Némésis. Ouais, exactement. Bah, le fait de ne pas avoir de dégâts en hit, ça c'est très cool. Le Sagar qui sort évidemment, qu'on a vu. Et Aegang qui serait problématique effectivement avec tous ces petits effets. Attention à ce qu'on voit avec Julian, il a pas de break death. Si je dis pas de bêtises. Non. Covertino, il a pas de break death. Donc en gros, le Julian a une value, mais un peu moins que d'habitude. Faut voir sur quoi il part avec Macha très rapide. Je pense que j'aime bien l'Oblivion de la Cookie Dark. Il peut mettre dans la sauce. Bah ouais, non. Bah ouais, regarde. Oh, hop, elle oh, passe. Lui, s'il proc, il s'en sort bien. Vanessa, break pas death. Proc. Eh, c'est break death. Oui. Et Vela, il le fait. Pafix, il le fait. Oh, voilà. La légende, mesdames et messieurs, face à Pinkroid qui sort la plus grande menace ici. Alors attention, il y a beaucoup de sustain. Hein. C'est vrai, il y a encore Chao. Mais en vrai, ouais. Voir un kill tour 1 de Julian, c'est quelque chose qu'il faut faire en fait. Et faut pouvoir le faire. On a vu d'autres tentatives là et c'est parti sur l'Oblivion, tu vois. Ouais, exactement. Et puis ça permet de le sortir derrière. Après, Macha qui approche, qui a été distante quand même. Mais attention au damage derrière. On va pouvoir poser le strip, le slow. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et derrière, on a cette Vanessa qui donne de la résilience évidemment à cette Macha qui peut tomber et revenir en monture. Donc, c'est pas trop problématique. Et là, c'est pénible hein, pour Pinkroid d'avoir justement ce slow derrière, pas de proc. Attention à ce show quand même qui lui se heal. Voilà, tape, hein, il existe. Maintenant, le chat est vraiment dur à chercher. Il espère en fait une prochaine rotation de Oblivion, de Sleep Slow. Le problème, c'est que le Smicer va silence, tu vois. C'est ça. Mais je pense qu'il faut sortir ce Smicer très vite. C'est bien, il tank ici, il va pouvoir redonner de la TB. Et derrière, on a un petit tour. Est-ce qu'il va enlever. Est-ce qu'il va Oblivion. Le Smicer le Smicer ou le show? Non, le show. Ah, il est parti là parce qu'il ouais, je tue. Bah ouais. Et puis en vrai, c'était bien tenté parce que le show, justement, t'as pas envie que tous les tours ils reprennent de la vie. S'ils proc et tout, c'est vraiment pénible. Et puis ce Clutch aussi, mort. Mais Vanessa, elle récupérera au bout d'un moment. C'est vrai que la Clutch Show, il est vraiment dur. Ouais. Tu veux l'Oblivion, il a reste à l'heure l'Oblivion, c'est un peu chiant. Là, tu pas. Ouais, alors là, par contre, faut temporiser un petit peu. Il a essayé de mettre le break dev derrière, ça ne passe pas. Il a un double feu, et puis derrière, c'est pas son pudding là qui va faire grand chose. On va reposer le slow ou pas? Pas de suite, l'Oblivion. Ouais. Le truc, c'est que Rayleigh va pouvoir finir ça c'est fréquemment. Ça. Donc, l'Oblivion a pas resté longtemps, quoi. Skill 3, faut avoir une bonne rota au niveau des jeux ATB derrière. Non, il va mettre. Ah, d'accord. Après. Il laisse l'Oblivion. Non, mais c'est un peu étrange parce que là il y a le strip avec la. J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom de la cookie. Je l'appelle la pudding. Ah ouais, la pudding. La pudding là, dark, j'ai oublié son nom, s'ils vont nous le dire. Je crois qu'elle a le sort 3 into slow, donc en vrai le Chao peut. Bah c'est ça. Être dans la sauce. Imagine la proc, break def et tout là. J'avoue, j'ai pas compris. Oh, elle proc, break def. Ouais. Elle le fait! Mais c'est trop! C'est trop, Pafix! Il va les tuer? Il va les tuer? Non, il tue pas! Ah, il tue pas, il va avec. Il a Macha, mais bien sûr! Mais c'est trop une dinguerie ce joueur! Il vient de faire. Fermer son claqué! Ouais. J'ai dit son claqué, le mec qui me lance tous les mots! Claqué, son clapé! Oh là là! À Pinkroid, non, attends, je suis choqué! Je vais essayer de m'en remettre un petit peu, on va toucher un peu. Est-ce qu'on est dans une vraie réalité ou pas? La Pinkroid vient de se faire oblitérer! Je te promets que la draft qu'a fait Pafix, elle est fabuleuse! Elle est mais il a bien réussi parce que, en vrai, avoir le. C'est pas ce qu'on retiendra dans les livres d'histoire, d'accord? C'est vrai! Waouh! La Macha qui gère un Chao, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Je te jure, c'était très beau. Après, j'ai pas compris pourquoi Pinkroid a pas enlevé de suite l'Oblivion. Ouais, pareil aussi. Ça, j'aurais préféré le cleanse, comme ça derrière, tu sais que t'as ton sustain. Et ensuite, il avait son skill 4, donc il pouvait le mettre. Donc un peu dommage. Et Julian qui est prévan du côté de Pinkroid, il se dit non, il a le first pick, je le laisse pas cette fois. Puisque moi, je l'ai pris tout à l'heure et ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, on peut le dire, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on voit Julian perdre. Et il a fallu que ce soit Pinkroid qui le prenne. Et il tient sa vanne et ça n'a pas fixe, hein, toujours sur sa first pick. Ah là par contre c'est vraiment une arme qu'il faut envisager dans les drafts de pas partir trop passif parce que Pafix a cette cookie qui a vraiment fait un taf énorme. Ah il part agressif du coup Pink. Ouais exactement, là je pense qu'on va aller essayer de prendre ce premier tour et mettre un maximum de tabassage. J'allais dire Shan, est-ce qu'il a son Shan effectivement, est-ce qu'il peut nous le sortir? Il a pas Chiwu derrière. Ok. Moi fan de Chiwu du coup là. Je t'avoue que c'est moins versatile, c'est vraiment commit ta draft quasiment à l'open. Il aurait pu attendre de voir ce qu'il sortait du côté de Pafix. Oh. Un peu prématuré. Ok, là, il fait quoi? Il réfléchit, Pafix. Ok, Tian Lang. Tian Lang que Pinkroid a également.
Donc on va peut-être pas le laisser. Sekhmet qui va être pris pour le premier. En vrai là c'est dur hein, parce qu'il va falloir aller contest speed d'une Sekhmet. Lead 103 c'est chaud. Ça me semble un peu compliqué. Alors si tu bannes cette Vanessa, bah derrière il va falloir assumer un petit peu. Aïe aïe aïe. Oh là, attention. C'est la première fois qu'on l'a aujourd'hui, je vais rien dire. Ouais, ça se trouve, aujourd'hui tu vas voir dans les mains de Pink, peut-être ça fera pas le même taquin. Mais là c'est très bizarre parce qu'il a une rotation 1 de Pink qui est très agressive et maintenant full défensive. Ouais. Je suis complètement d'accord là, c'est on prend plus son temps, on est plus sur sur du Breezer, du Rebound. Je sais pas sur quoi on part exactement du côté de Pinkweed dans son mood, alors que bah, face à Obabo, c'était pas le même délire tout à l'heure. Les deux derniers picks du côté de Pafix. Mais Yuwang. Est très bon. Et même très même excellent là dans ce qui est en face, la Juno va pas lui poser problème. Par contre, faut voir le last pick, il a beaucoup de feu hein, par contre. Mais derrière, comme il n'y a qu'un pick du côté de Pinkroid, même s'il part sur un mob haut, c'est pas non plus. Lui il aime le feu hein, et c'est Johnny Hallyday, c'est hallucinant. Last pick là, Pinkroid, il y a quoi? Il va juste se faire ban son last pick dans tous les cas, il a fait sa draft. C'est vrai que là, Masha, Mei Yuwang sont vraiment chauds à chercher. Et en plus, c'est un Lee 33 Sekhmet. On a envie de ban la Sekhmet si on veut avoir des sorts forts. C'est pas facile. Hein. Pour moi, là, il s'est fait au draft Pinkroid. Et surtout, il a laissé le choix à Pafix. C'est-à-dire qu'il lui a laissé faire son jeu. Il a dit, bah vas-y, prends ce que tu veux. Et puis moi, je vais pas prendre ce que je veux. C'est moi qui régale. C'est moi qui régale, ouais, comme tu l'as dit. Last ban et Sekhmet qui partira pas. Mais on a ce Lee 33. Je pense que la Masha, elle va vite, hein. La Masha va vite, mais surtout le Mei Yuwang va être incherchable. Ah bah oui, comment tu le tues là, le Mei Yuwang? Il a pas de break def. Et il peut pas se faire contrôle par le Shan. Tu sais qu'il n'y a pas de break def, il n'y a pas d'anti-heal. Je vois aucun monde où Mei Yuwang prend la sauce. Non, je suis complètement d'accord. Et derrière, alors c'est la Queen. Derrière, on a le skill 2 qui va être posé, qui va chercher. Vanessa. Pour la marque. Hein. Mais alors à moins d'exploser Vanessa très vite et que derrière ça se soit un énorme vide. Bah la Juno en plus va pas beaucoup citer parce qu'elle tient langue. Bah ouais. Donc, là, t'as vu, elle a pris très peu d'ATV du coup. Hein. Là, on va poser, on va prendre le bonus speed. On a stun quand même beaucoup de monde. Hein. Okay. Oh, petit frog de la Ah, elle a pas break death. Ça renfoie un peu. Il a visé le stun. Il est pas passé non plus. Après, je me dis, tu sais, on se dit, ouais, le Mei Yuwang, il est chiant. Mais est-ce qu'un Shan qui balance des sorts 2 va pas en vrai être super chiant aussi à chercher? Ah oui, après il va tabasser, il est above speed ici. J'ai l'impression que ça nous fait un petit peu mentir. Et surtout, je pense que la Vanessa, si elle se fait sortir très vite, elle meurt pas. Et heureusement, qu'il y a ce proc. Au prochain tour, il a le burst. Là, il met tout sur le Shan parce qu'il sait qu'il va pouvoir être problématique. Ah, pas de crit par contre derrière, c'est la proc de stun. C'est un bon stun, mais honnêtement, ça se tient hein, du côté de Pinkroid pour l'instant. On a été peut-être un peu médisant au vu de ce qui se passe à l'heure actuelle, et on a plus l'anti-buff en puissance sur la Masha qui lui permettait pas de récupérer aussi son immune. Et là, elle va exploser. Bah, hey, attends, Pinkroid, elle nous a fait complètement. Mais honnêtement, le Mei Yuwang est toujours là et il est vraiment dur à chercher. Là, il est problématique. Je vois pas comment il gère Mei Yuwang, parce que forcément, tous les deux tours, il va se prendre un gros taquet. Si, avec Gatsune. Regarde, tu vas voir, ça va être fou. Regarde, dans quelques instants, là, on va vibrer tous ensemble. Regarde. Regardez bien, Gapsule, là ça va être nimp, il va boire un coup, boum, il est stun. En vrai, est-ce que Gapsu... Mais non, jamais, arrête. Non, mais en vrai, attends, est-ce que Gapsu, mesdames et messieurs, je me permets de poser la question, est-ce que Gapsu peut faire la différence face à ce Mei Yuwang? Moi, je pense que oui. En vrai, c'est la Juno qui tape, en fait. Non, je pense que c'est... Mec, la Juno, quoi. Elle tape hein. Et en vrai, il y a moyen en fait. Je te dis, la marque, elle va prendre le tour. Skip 2 pour ce heal. Si il prop, par contre, c'est un peu plus problématique. Oh, elle a pas moi. Merde, il arrive bien, j'ai réussi. Gapsu, la légende. Oh, bim. Dire que je pensais vraiment que ça était incherchable. T'avais dit que c'était Gapsu. T'avais menti. Les gars, c'est un de mes modes préférés alors. Ok. Le singe qui n'aura pas suffi à carry quand même. Ah ouais, non, honnêtement, je t'avoue que moi, le singe, pour moi, était intuable. Mais juste en fait, le sort de Gapsu et la Juno qui cycle. Et en fait, c'est surtout parce qu'il a sorti Tianlang. Parce que si Tianlang était encore, tu vois, s'il avait fait le mauvais focus, Tianlang avec son passif aurait vraiment empêché la Juno d'autant-cycler. Donc, un partout, balle au centre, comme on dit. Pinkroid a le first pick. Est-ce qu'on laisse open? Bah oui, enfin non, est-ce qu'on laisse open Julian ou pas? Ou est-ce qu'il va le prendre hein? Il décide de sortir Vanessa à la place, peut-être pour pas ce first pick. Il va prendre Julian direct. Julian, non, je pense pas qu'il. Il va le rush. Non, je suis sûr qu'il. Mec, il va apparaître au moment où le 0 et il va déjà être présélectionné, mec. Je suis sûr qu'il le prend pas. Regarde. Bam, bim. Écoute bien Julian. Ce que je dis. Boum, pas de. Let's go, allez. C'est Julian, je suis sûr.
Je le savais, je le savais. Et Pink White qui veut remettre ça. Attention, hein, tout à l'heure. Il s'est roulé dessus. C'est mal passé. Hein. C'est vrai, Julien, il a pas mis un coup hein, tout à l'heure. Il s'est fait oblivion. Il a disparu dans les méandres de la mort. Donc, ça risque d'être assez compliqué si on réitère l'exploit du côté de Pafix. On va partir sur un Mour et Tien Lang. Juste derrière, un Mour qui sort enfin, qui n'avait pas été trop pique pour l'instant. Et en réponse, Chandra, quoi, Smicer derrière. Ouais, je pense que Smicer a peut-être. Ah, bah, Sagar. Ah, bah, Sagar, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier, hein, ce petit Sagar. Lui aussi est bien pénible. Chandra, Sagar. Puis ça lui fait un bonus speed. Ouais. Avec Chandra. Je pense que Pafix a répondu avec Sekhmet depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il. Oh, Smicer. Smicer. Sekhmet, du coup. Sekhmet. Oh, du coup, il aurait les trois éléments. Ouais. Bah, c'est en pas plus, dégueu. Un break dev et tout. Ouais, c'est la totale. Il amour pour le leader skill. Ah oh, Kovarchi. Oh, ça change du côté de Pink là. On a vu la Juno qui était pas trop mauvaise. Et elle fait quoi? C'est pas le shield qui renvoie les dégâts? Si, c'est ça. C'est ça. Hein. Ouais. Ah oui, bah du coup. Avec du coup, tu mets un gros shield. Sagar provoque tout le monde tape Sagar, il perd. Attends, c'est une game Gelnir. Gelnir. C'est une game Gelnir, mais enfin pas fixe. À quoi tu joues, boy? T'avoues Gelnir. Que le Gelnir me étonne un peu. Le Gelnir, il m'étonne et il m'affaiblit énormément. Alors autant j'ai Gelnir, je l'adore en GVG, autant en RTA, bon, c'est quelqu'un qui est sur le côté, il est au cinéma, quoi. Il se dit, tiens, je vais mettre un film et je regarde la game. Donc là, j'espère. Alors attends, peut-être que là, c'est un ruinage de fou, on n'est pas au courant. Ouais. Il a 50% de. Mais il prend le ban. Hein. De stun. Il prend le ban. Ouais, parce qu'en vrai, il se dit, j'ai pas les dégâts si j'ai un Julian qui est ban pour gérer. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas faux. Ouais. Et là, Julian ban, pour moi, c'est. Enfin, on voit du ban Julian. Là, on n'en pouvait plus, c'était compliqué. Donc là, on va voir. Honnêtement, je préfère la draft de Pafix. Mais c'est que moi. J'aime bien ce qu'il nous propose ici. Le stun est dramatique sur la Juno. Mais attends. Triple Esther, est-ce qu'il stun? Non. Il peut stun maintenant le Sagar. Ouais. Ça passe ou pas? Ça ouais, passe. Sublime. Et derrière, on a qu'un stun, donc ça va. Ouais, on va quand même pouvoir choper 3 personnes. Est-ce qu'on a le skill 3 qui part directement, je pense, pour ses pieds? Ou alors on met un bisou? Pas de bisou. Pas de bisou. Et alors, le Sagar est au-dessus. Tu refresh le Smicer, s'il proc, il a déjà la bombe. Ah là, c'est pas bon pour lui. Il a pas envie de mettre le silence sur. Et voilà, il remet la bombe. Il remet la bombe. Voilà, il a proc. Il remet la bombe. Et... Tu le remets sur Sagar ou tu mets à droite? Ok, il met à droite. Et puis derrière, je pense Breakdev sur Sagar. Ouais. Et Sagar Africa, comme on dit, hein, il explose sa mère après et ciao. Ah, tu sais quand même. On voit du shield, on voit pas mal le sustain, c'est pas aussi free. Ouais, c'est ça. C'est pas aussi free, t'as raison. Et puis en plus, il a pas de bol parce que le Smicer il lui a posé. Attends quoi? Ouais, le stun ça paye, hein, parce que là il avait des cojones, comme on dit. Et puis ça va pouvoir flip, ça prend. En vrai, c'est pas si free, t'as raison. Ouais, non, mais là d'un coup là, je me dis que Pink peut vraiment remonter, ça a pas été décisif le tour 1 alors qu'il a un peu tout donné, pas fixe maintenant. Là, ça passe. Le stun derrière. Là, c'est très bon, mais alors là, mais. Là c'est le combo. C'est une classe de maître comme on dit. Il est malheureusement silence donc on n'a qu'un skill 1 mais ça va pour Vaux directement sur le Mour. Et derrière, eh bien on va pouvoir siffler tranquillement avec la Juno. Il est bien, il va mettre le shield je pense sur tout le monde, bien sûr, petit. Et là, honnêtement, la game a changé de visage. Là c'est le combo vraiment parfait d'avoir Sagar protégé par le câlin de Chandra et en plus le shield. De la cookie qui permet de renvoyer les dégâts. Et puis en plus, Chandra rattaque, stun sur le skill 1. Donc ouais, là, une très très belle gestion de la part de Pink Rui, qui encore une fois, sur le papier, nous fait une compo qu'on n'aurait peut-être pas vu partout. Ça, ouais, c'est vrai que je ne l'anticipais pas. Hein. Ouais, vraiment pas. Surtout la pudding. Hein. Ouais. La pudding vent, et au final, ça fait sens. Ça donne beaucoup de sustain. Attention. Ah, encore un stun de Chandra qui est très en forme. Hein. Ah bah Chandra à son prime là pour l'instant et pas de proc de son côté. À nouveau du shield, il est full life. Il proc en plus, j'allais dire couverture, pas du tout. C'est ce Smicer là qui va aller rejoindre Papa Johnny. Et puis c'est très bien. C'est indécent, Picroïde. Et un peu de respect, il y a des enfants qui regardent. Et là, c'est insupportable, enfin. Là, c'est vrai que là, quand tu vois maintenant la game, c'est ouais. Bien dans le passé, juste avant, je te prends une part, avant après, tu dis mais non. Un mec qui se connecte maintenant, il fait ouais, c'est un alors que je vous jure qu'il y a 6-7 tours, c'était pas la même tronche. Hein. Oh damn. Ah, Pink Void là qui a déroulé son jeu, je vous avoue qu'il n'y a pas de monde où ça remonte du côté de Pafix. On va enchaîner sur un 2-1 et un Julian qui sera soit pré-ban, soit open, cette fois-ci en first pick du côté de Pafix. Est-ce que au final c'est pas ce qui l'embête également? On n'a pas pu briller Julian sur ce deal là pour l'instant.
oh la profondeur de rune de Pink, parce que à chaque fois qu'il draft un mob, il est parfaitement speedtune, bien runé et tout. Tu penses qu'il a combien de mobs honnêtement très bien runé qui est sortable en compétition comme ça? Lui je sais pas. Mais par contre, petite stat, tu sais à peu près le nombre de mobs qui étaient joués dans la ligue pour, jusqu'à aujourd'hui? De mobs différents. Différents, ouais. Une trentaine? Plus de 120. Oui, il y a eu plus de 120. Menteur. Non, je jure, Nao, il a fait les stats et tout. Pharisien, menteur. Il y a eu 120, plus de 120 mobs différents. 120 mobs différents. Ouais, la méta est quand même assez riche. Hein. Dont un âme du hat quand même. Oui. Regardez Abri. Le mec, il le lâche pas. Non, mais c'est vrai que je m'attendais pas autant. Et ouais. Ce qui prouve que, honnêtement, Melanzor a quand même une profondeur de gameplay hyper intéressante parce que beaucoup de mobs sont jouables. Parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui, on est quoi, 1100, 1200 mobs au total. Donc, en comptant les éveils évidemment, c'est quand même fou d'avoir une centaine compétitivement parlant sortable aujourd'hui. Donc franchement, c'est génial. Et on a vu beaucoup de gameplay différents aujourd'hui. Rien qu'en 4 joueurs. C'est juste 4 joueurs. Hein. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ça s'adapte très vite. Allez, on est à 2-1 pour Pinkroid. On le disait favori ici, mais pas fixe. Il nous a surpris avec cette première game dominée de but en blanc. Alors, on a encore ce pré-ban Julian. Sagar qui sortira pas cette fois-ci. Et ce Moor First Pick. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Pinkroid? Est-ce qu'il refait un Chandra? Il cherche en fait un lead speed. Ouais, je pense Meister Chandra, ça marche bien. Wagon. On a pas trop de Oliver qui sort. Ah, Gapsou, on l'a dit. Hein. Première rota, c'est surprenant quand même. Ah, mais Gapsou contre les Saint-Cheveux, très fort. j'avoue. Il anticipe, ça peut arriver très vite. Ok, Vela Juel, effectivement. Et est-ce que derrière, on va se sortir encore du feu? Ça Macha à pas fixe, qu'il a pas mal régalé. Après partir double feu ici, c'est pas trop grave non plus, puisqu'on a, on a du Dark et on a surtout un Smicer. Et je trouve que la Macha contre Smicer, ça peut-être potentiellement faire une petite ouverture sympa. Voilà, Macha. J'aime bien ça. Ça c'est mieux, ouais. J'aime bien le Coverty, c'est vraiment, ça synergise vraiment avec cette Macha qui part et qui a un truc. Oh, retour du Bolverk. Mais en vrai, Bolverk, encore une fois, je suis pas. Enfin, si, c'est pas si mal parce qu'il y a Macha plus Coverty. En vrai, ça l'empêche un peu d'utiliser Full Kit Run. Par contre, s'il y en a un qui se fait sortir, il se fait sortir. Ah, et derrière, on a Molong aussi. Là, j'aime bien parce que au moins, si les deux restent, il y a un kill tour 1. Exactement. Il y a de la vraie résilience. Donc, c'est très intéressant. Le combo, en fait, je pense qu'il y en a un des deux qui sort, à mon avis. Là. Mais là, il s'expose. C'est très embêtant parce qu'ils sont speedtunés. Pour moi, il s'expose à un robot vent contrôle et tout, tu vois. Ouais. Un robot vent. Attends, je crois que j'ai quelqu'un qui m'appelle. Il s'appelle Cédric. Ouais, il demande le robot vent là directement. C'est sur mon téléphone. Ouais. Le fan. Oliver, ça lui fait 2 leader skills. Un contrôle vent. Etna est forte aussi. Oh, mais même Sonia, en fait, fallait double vent de toute façon là. Sonia, on est ça a combien de speed de base, Sonia? 119. Ah, c'est beaucoup. C'est énorme avec les 33. Il va jouer. Beaucoup. Et là, t'as envie d'enlever le Coverty? Ouais, mais il y a Léo aussi qui t'embête parce que t'as Emacha et Sonia. De toute façon, Léo est out. Léo est out. Ouais. Donc Sonia est out. Donc là, ce qui peut se passer, c'est que Pinkroid ne joue à peu près jamais. Ouais, c'est fort probable. Par contre, if ouverture, c'est Bolverk, into Molong et tiens au bac. Non, Molong va être valcédé. Donc en vrai, la Macha joue avant le Ryu. Non, c'est bon, il peut faire ça. Par contre, il a pas d'immunité. Donc là, il faut qu'il skip. Il a pas. Ça strip. Il a pas strip le Smicer, mais. Ok, patch proc. Je suis. En vrai, il va les désynchro, hein. Il va les désynchro, hein. Il va temporiser. C'est pas si grave que ça. Après, le Coverty, tu vois, il n'a pas proc son passif ici. Après, tout est sur l'Oliver. Il a fait son taf, Oliver. C'est pas si grave. Ouais, c'est juste un peu dommage de pas avoir eu du coup l'immunité de Coverty tour 1, en fait, tu vois. Ouais, je vois. Là, pour l'instant, ça peut. Il perd son Oliver là-dessus, non? Non, parce que ça joue avant. Ouais, mais je dirais la bombe va le faire tuer maintenant au prochain tour quand il va jouer. Non, c'est hors de question. C'est hors de question? Je refuse. Tu refuses? Oh, le Boston, il disparaît. Est-ce que là, tu swaps? Ouais, j'allais dire, tu swaps sur Smicer ici. Hein. Ouais, faut tout mettre sur Smicer. Là, par contre, la Bolverk. Bolverk va prendre ses stacks, donc là, il temporise. Après, c'est pas si gênant ici. Est-ce qu'il va garder ses stacks? Je pense que tu le fais pas parce que là, en fait, tu fais. Ils sont full life. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que Smicer va faire un sort 1 qui va le remettre d'appui, donc c'était pas forcément le moment de faire un sort 3. Il a préféré le faire. Donc là, la Macha, elle a déjà fait son sort 2, hein. Elle a pas le break death. Ouais, et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, tu perds la puissance de ton Bolverk ici qui se retrouve qu'à une stack. Et sachant que Coverty va pas buff tout de suite. Après, il y a toujours cette variante Macha. Macha, il va pas aller dessus. Elle lui donne une stack gratuite à chaque fois qu'elle joue. Si elle proc, c'est pareil. Donc c'est vrai que ça peut remonter aussi vite. C'est un choix. Je pense qu'il a envie de tuer très vite et sortir très vite ce Coverty. Faut voir comment ça fonctionne. Il y a plus d'Oliver. Hein. Il y a plus d'Oliver pour contrôler ce Molong qui risque d'être problématique. On met pas le break death. On va lui redonner un tour. Tu donnes 50% à TB, mais je pense que tu fais sur toi-même. Oh non, il fait sur le Ryu. Ryu, stun. Oh là là, le stun méga clutch!
Il faut que j'arrête d'annoncer les choses, c'est trop, c'est très grave. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Regarde, Gapsou est homme de la game. Hein, mais honnêtement, même avec tout ça. Ah non. À moins qu'il se triple d'espère là. Non. Ah, ça tu que je pense là, non? Non, c'est pas. Mais tu vois, il manque un peu de. J'ai pas été ultra convaincu du sort 2 sur le Wour. Ouais, tu l'aurais mis plutôt sur Macha? Non, sur lui-même. Sur lui-même pour être refresh. Ouais, d'accord. Bah, faut... Après, il le sort tout de même. Mmh. Maintenant, on a le Bolverk qui lui va essayer de récupérer la stack de Macha pour l'instant. On va quand même l'empêcher d'être fusible. On slow le Molong là. Là. Ouais, c'est ça. Ou Bolverk, ok. On va un des deux dans tous les cas. Est-ce qu'il met la stack maintenant? De toute façon, il se dit qu'il n'a pas le choix. Hein. Ouais. Je veux dire, ça ne changera pas grand chose. Il y en a un qui va se faire un peu laver. Par contre, Molong, attention, faut stun Molong, moi. Je dis. Il le fait, il a vu. Là, il ne stun pas, mais il y en a un qui explose et je pense que c'est Kovacic. C'est le key sur Kovacic là. Ouais. Ou alors est-ce qu'il passe en deux? Ouais, je veux dire, non, Kovacic. Non. Et là, derrière, on va chercher ici, comme ça, on prend même pas le passif. Évidemment. Et puis on prend ici. Est-ce qu'il va taper tranquillement la Macha, je pense? Macha, ça va être compliqué, on est double haut. Oh bah, il pue en plus la proc, ils sont full life. Ouais, c'est dead. Ça s'annonce un peu compliqué, je pense qu'il va aller tabasser Gatsu. Ça a fait ce dégât quand même. Il existe. Il a un plus stun Molong. Oh là là. Hey, y a un monde. Il y a un monde. Il y a un monde de ouf. Comme... Oh, il a stun. Il y a vraiment un monde. Quel monde, mesdames et messieurs. Hey, prof. Oh, le prof. Arrête tes conneries. Oh là, c'est petit bide. Petit bide. Pas de stun. Attention. Ça, c'est faut pas non plus déconner. Mais après, il n'y a plus beaucoup de vie à ses morts. Si la Macha gère les deux. C'est, je hurle. Je les hurle. Et il prend la stack. Il prend la stack. Oh, elle tourne de force. Skill 2. Skill 2. Oh là. Oh, non. La vérité là. La vérité, c'est qu'il méritait un peu. Ouais, en vrai, honnêtement. Et, franchement, il méritait un petit peu. La Macha qui gère Molong. Ah bah là, c'est fou. mais là, je pense que c'est fini. Voilà. C'est terminé. Oh non, on a rêvé, les amis. Ouais. Pafix qui nous a fait un petit peu trembler ici. Malheureusement, c'est un 3-1. Mais pas. Je veux dire, c'est, ça reflète pas ce qui s'est passé dans cette game. Quoi. C'était super close. Le schéma de jeu était sympa. Il avait le tour 1 pour agresser. Mais malheureusement, via en fait le speed tuning, il a pas pu avoir l'unité de son converti directement. Exactement. Il a choisi de faire autre chose. Ouais. Et on a pu voir que malheureusement pour lui, le Oliver, il a mis son skill 3. Et puis après. Il a plus jamais joué, il est mort très très rapidement, donc ça a été difficile hein, de faire une game en 3v4 tout du long. Et le Smicer en face, lui, de Pinkroid, a vraiment tenu très longtemps et a fait son taf. Donc compliqué, ça pré-ban carrément Pafix. Il s'est dit, ok, first pick, viens la mare, d'accord, il n'y aura pas de nanani, pas de nanana. Et il enlève le bon vieux Julian, pas de first pick Julian cette fois-ci pour Pinkroid, et Vanessa qui ne reviendra pas également. C'est potentiellement la fin du rêve pour Pafix. C'est vrai que là, on est à. Bah en fait 3-1. Ouais. C'est la game de match. Enfin, balle de match, c'est ça. Balle de match hein, pour Pinkroid. On va voir. Allez, ça fait speak mo. Ah, QD. On l'a pas vu. Il était tout en pré-ban. C'est vrai. Est-ce qu'il nous fait son grand retour? Est-ce qu'il met un speed contest et qu'il sort son échir maintenant? Ah, oh, ou pas encore. Donc là, par contre, là, tu sais, t'as une draft contrôle, mais t'as pas de quoi jouer en premier, donc c'est un peu. C'est un peu. Ben c'est vrai qu'il y a cette Sekhmet qui t'embête, il y a Soliver qui t'embête, donc pourquoi pas? Est-ce qu'il compte sur un rebound de malade? Je ne sais. T'aimerais bien avoir QD, toi? Bon, c'est pas sans... Oh, excusez-moi, j'avais oublié que je parlais à l'op qui avait déjà 205 nadar. Il est blasé. Mais, je sais pas cette question. C'est comme si tu demandais à quelqu'un dans la rue. Eh mec, t'aimes l'argent ou je... Bah, y a des gens qui disent non. Non, mais c'était plus. Est-ce que ça rentre dans ton gameplay en général? Actuellement, non. Actuellement. Non, voilà. Ouais. Toi, je sais que t'es un mec glace canon. Toi, t'es un mec qui veut taper, tu vois, qui aime la bagarre. Et donc, je me posais la question. Voilà, non, mais excusez-moi, hein, si on l'embête, on lui dit. Kinky, par contre, Pafix, on rappelle, hein, a été coach par Guts. Coach par Guts, Pafix. Donc, le Kinky, il est pas anodin ici. Je pense qu'il est au téléphone en même temps. Je trouve ça quand même assez bizarre d'avoir Kinky alors qu'il y a plein de contrôle. Il est faible contre le contrôle, Kinky. Et là, il y avait une draft avec Kitten Dashing. Ah bah, QDCP, Kinky, c'est vrai que tu te dis pourquoi. Oh, alors, peut-être. Mais il a qu'un seul lead speed, ça va jamais gagner. C'est laquelle? C'est la Gladia. C'est Cassandra. Sigrid? Ah non, c'est Sigrid. C'est la Cassandra Dark ou pas? Non, c'est pas elle. C'est j'ai oublié son nom en collab. Mais en gros, elle fait gain ATB et 3 mecs tap. Le problème. Ah oui, c'est la collab de Assassin's Creed. C'est ça, voilà. Mais d'accord. Attends, mais. Mais le truc, c'est que. Il faut qu'elle joue. Bah oui, il faut qu'elle joue numéro 1. Attends, mais c'est quoi ce gars? Quel est le plan d'action? Je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que c'est qu'il vit sur le résiste? Mais personne ne. Ok, mais. Ah, elle est en Némésis! Elle est en Némésis dans sa serviette! Est-ce que ça suffit? En vrai, là, c'est quoi? Elle strip, reset CD le Xiong Pu. Hein? Non, la Sekhmet, du coup, va pouvoir reset CD le Xiong Pu. Ok. Ou la Ciara, peut-être? Ouais.
Moi, je serai allé sur Joe. Ah non, c'est bien Ciara, comme c'est celle qui gère le Kinky, donc c'est bien. Il tue la Ciara. Oui. Et maintenant, le Kinky, oui, il est là. Mais est-ce qu'il va le faire? Ah, Skill 3 qui va faire mal, là, par contre. Skill 2, pardon, qui va faire mal ici. Skill 2, ici, est-ce qu'on est en... Non. Ah, non. Pas les dégâts, mais la Masha est open. Ça tue. En vrai, je pense que Masha... Masha gère bien, ici. Ah, c'est difficile, quand même. Hein. Si, si, regarde. On voit bien les yeux. Je regarde, j'ouvre bien les yeux. Regarde attentivement ce qui va se passer et ne sois pas choqué. C'est perdu. En vrai, si elle proc... Ah non. Nah, bah c'est bien joué, pas fixe, ça fait un beau... Attends, en vrai, il y a quand même un monde. Il y a quand même un monde, en vrai. Regarde le monde. Parce que là, c'est vrai que la cookie qui est méchante parce qu'elle est full HP et elle sustain. Ah. T'as un sort 2, je pense. Il a pas le choix. Bon. Ah, il fait un sort 3. Ah oui, il fait un skill 1 derrière, mais ça va faire des dégâts. Derrière, on met pas le skill, le Black Death, malheureusement, il va pas nous tomber. Là, faut tuer la cookie et viser la chatte. J'avoue que j'aurais fait pareil que lui. Je serais allé chercher le Moor aussi, parce que qui est le vrai problématique. Mais là c'est terminé, terminé. C'est une fin de rêve. Ça tue. Wow. Non, il peut pas tirer. Qu'est-ce qu'il regarde? Non. Oh non, quel dommage. C'est terminé, bravo. Tout de même à Patrick qui s'est bien battu. Et winner, Pinkroid. On le rappelle, jamais été légende contrairement au Babo du top 1. Mais aujourd'hui, c'est notre légende, on se rejoint en plateau. Quel game de Pinkroid qui, au final, techniquement, est quadruple champion européen d'affilée. Ouais. Oh, il s'arrête pas, hein. Il gagne tout. Et il est trop fort. Il est vraiment beaucoup trop stable, trop régulier sur ses games. T'en as pensé quoi, Léon? J'ai adoré voir les tout petits pics qui sortaient à chaque situation et qui étaient là pour titiller l'adversaire. Elle est incisive. Et encore une fois, comme contre Babo, on perd la première game et ensuite 4-0. Ouais, c'est vrai, putain. Quand même signaler que je me permets le putain. Dans ce BO, Julian a 100% de lose. Il a joué qu'une seule fois. Il s'est fait oblitérer, il est sorti, il a été ban et ensuite il a été pré-ban. Ouais, Oblivion meurt. Voilà. Ouais. Alors là, pour tous les haineux, Julian, vous avez vu que c'est nul, Julian. C'est nul. C'est nul, ça ne marche pas. C'est dommage parce que Patrick c'était bien parti. La première game, Après la première game, honnêtement, il a chaté de ouf. Oh, le haineux. Haineux de malade. Mec, le Chao qui se fait sortir par Masha, ça sortait de nulle part. Tous les jours, il devait gagner. Ouais, là, boum boum, ça arrive pas ça. Si, ça arrive, vous êtes des rageux. Vous comprenez non. Pas, les gars. On peut dire qu'il y a eu de la réussite. Il y a eu de la réussite, voilà, je le concède. Mais c'est vrai que ça nous a donné une très belle game avec une petite erreur de Pinkroid avec ce show qui laisse à Oblivion. C'est pas trop pourquoi. Ouais, j'avoue, là, il a géré le Mei Wang, là. Je le voyais. Tu l'as voulu venir, ça, ce moment ou... Mais moi, je l'ai vu. Très vite fait. On en parlait, on est en mode, bon, en vrai, avec le Gapsou, avec la marque. Ah, voilà, alors, le Gapsou. Moi, je l'ai rigolé. Je dirais que Gapsou, c'est mon préféré, ouais. J'ai fait 4 fois en vision. Non, il a été très bon. Et alors, moi cette game, c'est la game littéralement qui définit ce qu'est Pinkroid. Ouais, vous dit, voilà, c'est quoi Pinkroid? Pinkroid, c'est un droïde. Et ici, il nous a montré une adaptation avec des mobs que t'as pas forcément l'habitude de voir et une synergie incroyable avec Chandra, avec Sagar et avec la Pudding derrière qui venait heal, qui donnait une sustain de malade. Et puis on avait la Juno. Enfin, franchement, c'était une maître classe, quoi. C'est vrai, c'était un régal avec la Sigrid Nemesis qui permettait de cut. Ça s'est pas joué à grand chose. Il aurait peut-être pu gratter, mais ça a même pas suffi. Même les stratégies, ça marche pas en fait contre Pink. Un peu dur. Ouais. On en a beaucoup parlé, mais vraiment le nombre de monstres qui sont ruinés sur le compte de Pink Roy. Oui! Genre il a 150 drafts différents. Mais la question, à ton avis, combien de mobs il a ruiné prêt à être sorti en compétition? Les 130 qu'on a vu dans la ligue, 50, il les a. 50-60. Ah ouais, moi j'aurais dit une quarantaine, tu vois. Ah non, voilà, plus bien. Genre bien, 40, bien plus, 50 je m'en comme ça. Ouais, ouais, les 50, je pense. Ouais. On peut toi, Adri, par exemple, pour comparer en tant que... 5. C'est pas mal. Dont un adieu. Si on prend un mob, je suis foutu. Tu tournes à combien pour justement essayer de t'adapter en... En vrai, en RTA, j'en ai genre une petite quinzaine comme ça. Genre parce que RTA, tu vois, tu spams tes monstres. Oui, c'est ça. Tu mets des petits pics à la fin, genre pour t'adapter. Mais la souhait, j'avais essayé d'en ruiner quand même plus. Et j'en avais une petite trentaine de ruiner quand même. Ah ouais, d'accord. Donc déjà, tu vois, à ce niveau-là, il faut une trentaine. Je pense que Pinkroid qui est... Bah on l'a vu, voilà, indéboulonnable aujourd'hui. Effectivement, ouais, 50-60 largement. Et surtout, quelle qualité de runes et d'artefacts aussi. Donc, non, mais tout. Bah, en vrai, même de draft. Même de mental, parce que tu as vu, il perd la première contre Babo. On se dit, alors peut-être que le champion va être détrôné. Non, pas du tout. Oh là là, c'est abusé. Fin du mythe. Mais en fait, c'est parce que c'est ce qu'on aime aussi. Ouais. Que, tu vois, des fois, le roi perd sa couronne. Quoi. On est un petit peu de bagarre, on est un petit peu de surprise. Parce que, bah, effectivement, il y a des games où tu le vois de suite, à la draft, tu dis, oh, je sens que ça va à peu près se passer comme ça.
Mais moi, c'est ce que j'aime dans Summoners War. Et ce que je, c'est ce que j'aime et c'est ce que je déteste. C'est les procs violentes. Et des fois, ça peut nous donner du sel. Et quand tu commentes, effectivement, c'est ce que tu as envie, d'avoir, ce genre de rencontre. Donc, ça, c'est génial. Je me permets, mais les stuns disparaissent aussi. Ah, mais les stuns disparaissent sur les glancing. Mais c'est, maintenant, c'est fabuleux. C'est un autre monde. Je me permets. Mais permets-toi. Donc, non, génial. Et c'est, j'aimerais voir plus de games comme ça en compétition. Et je pense que Pinkroid nous offre quand même de très belles choses aussi. Oh. Offre de très belles choses. C'est pas le code. Putain. Mais la transition est malade. J'attendais comme un ninja les mots clés qui arrivaient. Et ça, c'est mystique. 5. Ah là, c'est un régal aujourd'hui. 5 mystical. Mais apparemment, c'était pas hier. Et ouais, juste, il y en avait 5 hier. C'était l'affichage, c'était marqué fois. Ah, ok. Mais en fait, il y en avait 5. Ça fera pas que j'oublie. Et du coup, tu sais qu'il y a des gens qui ont eu des 5 matins. Moi, dans le chat, j'ai eu des chats. J'ai eu Tomoyo dedans. Mais non. Oui. Oh la chatte. C'est abusé. Ça m'a fait des rêves. Oh joueur bœuf, tu l'avais déjà? Ouais. La honte. Mais du coup, on a dû prendre le code, nous. J'ai pas pris le code hier. On travaille, on peut pas tout faire. On donne. Alors, si on fait un petit recap de la journée, je pense qu'on peut avoir la set du bracket qui devrait apparaître, si c'est le programme, je crois. On peut rappeler, du coup, que tous les joueurs qui étaient là aujourd'hui, la partie droite du tableau, partent avec de l'argent. Oui. Et oui. Donc, c'est quand même bien. C'est content. Pépi qui gagne 5K quand même. Guts, il part avec 1K, il me semble. Ouais, il part avec 1000. Pas fixe, lui, il part avec 2K5. 1K5, je crois. Non, 2K5 parce qu'il était en finale. Au babo, 1K5. 1K5, ouais, c'est ça. Ah oui, ça fait quand même. Ils sont régalés. Une belle semaine. Oh oui. Une belle fin de semaine, si je peux me permettre. Il y a une belle fin de semaine aussi, d'ailleurs. Ouais. Bah, je pense que ça va semaine au max. Mais très, très intéressant. Et je suis curieux aussi de voir, pareil pour les gens de la communauté, si les joueurs qui sont la plupart aussi des joueurs qui stream ou qui font des vidéos sur YouTube vont faire un petit retour là-dessus. Dans quel mood ils étaient, tu vois, notamment peut-être au Babo qui va peut-être revenir sur ça en stream et dire bah, c'est vrai que Pafix m'a oublitéré. Il était monstre, Pafix, aujourd'hui. Franchement. Mais juste, j'avoue que je ne l'attendais pas à ce point-là et je me suis complètement trompé. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on ne l'attendait pas. On était tellement dans la hype que le premier match qu'il prend à Pinkroid, on se dit bon, attends, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Les cartes sont rebattues, c'est n'importe quoi et tout. Et après, bon, ouais, oh. Calme-toi, dose un petit peu. Ouais. Oh, mais c'était magnifique. Ouais, c'était incroyable. J'espère que t'as kiffé, Adrien, en tout cas. Moi, j'ai adoré le moment. Adoré. C'était super marrant. Les gars aussi, je tiens à vous remercier. En vrai, ça a manqué la ligue. Je vous le dis, les gars, ça a manqué. C'était un super parcours ces derniers mois. Et la commune aussi, parce que comme tu le disais, ça comble la période qu'il y a avant les WC. Ouais. Là, par contre, ça nous a chauffé. Par contre, là, pour les WC, là, on est hype, là. Ah bah oui, bien sûr. Et puis si comme tout us, moi je dis merci comme tout us aussi pour ça, parce que c'est un peu ce qui manque, je trouve, un format e-sport, en plus européen, donc c'est très cool. Nous, on a la chance de pouvoir le faire ici en France, de le faire en plateau, d'avoir les moyens, parce qu'il faut, mine de rien, il faut bien comprendre que tout ça, c'est une infrastructure, ça coûte quand même cher. Et comme tout us, techniquement, ils sont obligés de rajouter un circuit compétitif, et ils le font aujourd'hui pour continuer à faire vivre le jeu. Et qui est un pan e-sportif, vous savez très bien, dans tous les jeux, de toute façon, l'e-sport, c'est vraiment de niche et c'est très cool de pouvoir avoir. C'est que en Europe. C'est pas ailleurs, c'est que en Europe, donc on a la chance d'avoir ça et je trouve ça très bien. Donc merci à eux, GG Comme Tout West, et ça régale énormément. Et puis ça se prépare un peu pour les WoW, et comme on dit chaque année, c'est peut-être la bonne pour Pinkroid. Mec, il doit gagner là. J'en peux plus, c'est bon, frère. Vas-y. Voilà, après ces mots très émouvants, merci d'avoir résumé. Gigi, on te remercie, on te reverra de toute façon, t'es bien. J'arrête le streaming. Dès aujourd'hui, après ce qui s'est passé. Non, mais avec grand plaisir. Et puis, j'attends avec grande impatience, parce que vous savez, moi, je suis beaucoup moins actif sur le jeu depuis quelques mois pour des projets que je ne peux pas révéler ici. Mais j'attends les 10 ans avec grande impatience. Ça va régaler. Ça va pouvoir se la régaler. Et puis, avec mon ami VK, ici, il y a des séances de coaching qui vont revenir parce que j'ai un certain Julian. Et on a vu aujourd'hui que c'était pas trop dégueu ce monstre. C'est marché, effectivement. VK, on se retrouve très bientôt de toute façon. Bien sûr. Merci pour tout ce parcours avec la Ligue. Merci à toi d'ailleurs. Adri, on se revoit aussi très bientôt. Ouais, t'inquiète. La commu. Ouais, t'inquiète. Merci d'avoir maté le stream. On vous kiffe. Son meilleur commu comme d'hab. Oui. Des bisous, à très bientôt. Et bah bon week-end. Salut. Salut. Au revoir.